Salut les gens, salut tout le monde. Alors, ils étaient en train de râler parce que j'ai oublié un S sur l'annonce, mais c'est pas grave, c'est que l'annonce. Salut Ragdou, comment tu vas? Oh Suze, mais quelle râleuse celle-là. La jeunesse de Twitch, c'est pas de moi dont tu parles quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il faut huiler les araignées, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vient à peine de commencer, je comprends déjà plus un mot de ce que vous racontez. Alors est-ce que je pourrais me mettre du son sans que ça fasse un gros larcène, moi? Je vais tenter le coup. Hop. Voilà, j'ai un peu de son. Est-ce que j'ai pensé à mettre de la musique en arrière-plan pour le truc? Salut Solarius! Bah oui, un live, on est mardi, non? On est bien mardi. Où est-ce qu'on est mardi? Je regarde. Oui, on est mardi. Un moment de doute m'a assailli. Ah, j'arrête pas de renifler, ça va être joli cette soirée lecture, je le sens bien. Bon sang. Oui, je vois que tu as fait une chute vertigineuse dans le spectre politique, Solarius. Tu es passé de social-démocrate à de droite. Ça va vite ici, hein. Bon, je veux bien admettre que la social-démocratie, ce soit l'ennemi, mais quand même. C'est peut-être un peu abusé. Ceci dit, elle y conduit assez fatalement, hein, si on se souvient de Weimar. Alors, je suis censé avoir là un ustensile fonctionnel. Ah, c'est là, c'est où ce truc? Pop outil. Où est cette merde? Ah ouais, c'est ça. Mais si tu peux exagérer, Suze, exagère donc. Libre à toi d'exagérer. On va se faire une petite soirée spéciale en exagération. Je vais vous lire du Thomas Bernard. S'il y a bien un mec qui exagère, c'est lui. Hein. D'une manière générale, je vais lire pas mal d'écrivains qui exagèrent largement. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel sur ce bureau? N'importe quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai prévu? Là, on a du Burrow qui l'exagère. Du Kaiwa qui exagère toujours. Thomas Bernard, c'est un exagérateur de premier ordre. Jean-Luc Parent, roi des exagérateurs. Emmanuel Tunis, qu'est-ce qu'il peut exagérer celui-là? Savitskaya, ah là là. Il va d'exagération en exagération. Donc en gros, hein, allez-y.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait du petit bazar? Ça, c'est la présentation, pseudonyme Calembour. Tiens, j'ai oublié ce petit truc. J'ai oublié de créer un raccourci pour l'attente. Eh ben ouais, j'ai oublié ça. J'oublie tout. Voilà, bonsoir les gens. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Enfin, aussi bien qu'on puisse aller dans une atmosphère aussi délétère, mais on va faire comme si. Donc ce soir, c'est un live tout bête, très simple. On va juste se lire des bouquins. Essentiellement des romans, des récits. Salut, my name is Metos. Et un peu de poésie également. J'ai du Savitskaya et du Jean-Luc Parent. J'ai pris du Hormery aussi. Salut les fervoulaises. Je serais étonné que vous fassiez des découvertes fracassantes ce soir. A priori, il n'y a pas beaucoup d'auteurs inconnus au bataillon. Hein. Jacques Roubaud, peut-être Uni, vous n'avez pas lu ça, mais Kaiwa, Savitskaya, ouais, ou Butor, oui, bref, tout ça, c'est des classiques, c'est quoi ça? Je ne vous ai pas pris de Beckett ce soir. Du Borges, tiens, j'ai pris un peu de Borges, j'en lis jamais. Donc voilà, on aura un peu de tout ça. On va rester donc plutôt sur une ligne épique, finalement. Ça va être ça, la tendance. Je n'ai pas pris beaucoup de choses arides. D'une manière générale, j'ai choisi des récits, des écritures un peu généreuses, un peu enlevées. On parlait d'exagération tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui exagèrent là-dedans. Je me suis tâté tout à l'heure et je me suis demandé si je ne vous lirais quand même pas un gars qui exagère pas beaucoup. Un peu de Blanchot. Mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Je vous avais mis un Blanchot de côté. C'était l'arrêt de mort. Mais je vois qu'il n'est pas là. Ah si, il est là. C'est ça. Ah non, je vous ai choisi le dernier homme. Donc on aura au moins un écrivain qui n'exagère pas des masses. Il avait un vieux rêve d'une espèce de cristallinité de l'écriture qui évidemment n'existe pas. Mais d'une certaine manière, par certains endroits, on peut dire qu'il atteint quelque chose qui ressemblerait à une espèce de transparence. Alors pas du sens, parce que chez lui, plus il touche à je ne sais pas si aride c'est juste. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas âpre, il n'y a pas de côté brutal à son écriture. Mais il peut l'amener à être quasiment exsangue, et c'est pas les moments où il est le plus limpide, à loin s'en faut. Donc, pour réévoquer Wittgenstein, qui pensait qu'il y avait une sorte de superposition entre la complexité des énoncés et la complexité des objets, Blanchot est la démonstration, s'il en faut une, que pas du tout. Voilà. T'as cru l'espace d'une seconde que je m'étais vissé une casquette à l'envers sur le crâne? Non, j'ai pas fait ça. Non. Je pense que je serais assez grotesque avec un truc pareil. Il y a des choses qu'il faut pas faire. C'est comme, je sais pas, s'exercer quand on a dépassé un certain âge à employer des expressions parce qu'on les imagine jeunes, alors qu'évidemment on a toujours 4 trains de retard. C'est pas du tout une bonne idée. Donc, pour ma part, essayer, pour mes codes vestimentaires, d'afficher autre chose que mon archaïsme est une très mauvaise idée. Donc, je vais rester sur mes vieux acquis. Alors, est-ce qu'il aurait réussi à exagérer la cristallinité de son écriture? Ça dépend des bouquins. Oui. Je pense que dans le très haut, il va vraiment, dans certains endroits, d'une néantisation des effets assez impressionnant. Tu vois, Solarius, je suis sûr que déjà ça, c'est plus possible. Alors, je ne sais pas trop par quoi commencer. Vous préférez que je commence par du récit ou par de la poésie? Vous aimeriez un poème ou un extrait de roman ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le temps qu'on s'installe, le live commence, ça risque d'être un peu peinard au début. On peut tout à fait faire des choix, je peux même vous dire quelques noms et vous me dites qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir. Alors, je ne vais pas faire de sondage tout d'abord parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux, ce sera assez ridicule. Et puis aussi parce que il faudrait que je remette le nez dans son fonctionnement et la dernière fois c'était plutôt bizarre, ça marchait qu'à moitié. Alors, je vous donne des noms, vous dites ce que ça vous évoque, qu'est-ce qui vous donne le plus envie, d'accord? Alors, tu votes poème pour My Name is Metos? Bon, déjà, on peut donner la tendance. Vous préférez poème ou récit?
Bon, il y a des poèmes récits, hein, mais j'ai pas pris Jack Spicer. Donc, les poèmes que j'ai racontés sont peu, ils n'ont pas beaucoup cette dimension narrative. C'est drôle parce qu'à mesure que je vous parle, je me rends compte que rien n'est satisfaisant dans ce que je vous dis, puisque la plupart des romans que j'aime ne sont pas non plus narratifs. Cette nuance est absurde. On va dire qu'on va appeler poème ce qui est affirmé comme poème par ceux qui les écrivent et récit ce qui est affirmé comme récit par ceux qui les écrivent. Je crois que ça va être quand même le plus simple. Poème aussi pour Suze. On est sur deux poèmes. Les autres, les silencieux, les dans l'ombre, les à peine là. Est-ce que ça vous va de commencer par de la poésie? Si on commence par de la poésie, je sais par quoi commencer. Je commencerai probablement par Savitskaya. Qui est, salut à toi, Carnflag. Poème aussi pour Carnflag, très bien. Bon, bah, écoutez, je crois que pour ceux qui s'expriment majoritairement, le choix est dans cette direction. Tu veux un discours de réception à l'académie? Méfie-toi, j'en ai. J'ai le discours de réception de Zawoki à l'académie des Beaux-Arts. C'est une chose assez ridicule et ronflante et je suis pas sûr que vous ayez vraiment envie d'entendre une connerie pareille. Tu veux qu'on lise Flash Gordon et que je fasse les bruitages de Flash Gordon? Il y a beaucoup de textes, hein, ceci dit, dans Flash Gordon. J'en ai précisément sous la main. Mais c'est pas très bon. Je suis obligé de vous l'avouer, c'est vraiment pas très très bon. Je vous aurais fait des bruitages, sinon, c'est sûr. Mais je pense qu'au niveau de l'écriture, c'est très insatisfaisant. Alors, on pourrait toujours arguer que c'est la traduction qui est responsable de cette médiocrité, mais non. Non, 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 c'est vraiment pas très bon. Dans ce cas-là, puisque le poème l'a emporté, je vais vous lire un peu de Savitskaya. Alors, Eugène Savitskaya, c'est un poète que j'aime vraiment énormément. Dans ma bibliothèque poétique, c'est probablement un de ceux dont j'ai le plus de livres, avec Michaud. Je crois que ça doit être les deux poètes les plus copieusement présents dans ma bibliothèque. C'est un des cofondateurs en fait, des ateliers de l'Anneau, avec comment Jacques Isoard, Robert Varèse, puis plus tard Martin Vaughan James, un type important dans l'histoire de cette modernité belge des années 80 surtout. Et le bouquin que je vais vous lire est un bouquin qui a longtemps fait défaut aux bibliothèques parce qu'il avait été publié par Bourgois et assez vite épuisé. Et pendant 40 ans, ce poème merveilleux était tout à fait introuvable. Heureusement, Yves Dimano des éditions comment, de la collection Flammarion Poésie a produit une republication, une réédition des couleurs de boucherie. Désormais, si ça vous plaît, si vous aimez ce que vous entendez ce soir, eh bien vous avez les moyens d'atteindre le texte, de vous le procurer. C'est pas beau ça? C'est-il pas merveilleux? Avouez que c'est chouette. Donc, c'est ça que je vais vous lire, les couleurs de boucherie. Alors, je vais le prendre un peu n'importe où, on s'en fout parce que c'est bon partout. Ah, pourquoi pas ce passage-là qui est très beau. Allez, on y va. On va commencer à la page 129. D'accord. Michaud, c'est quand même un peu tiède. C'est nul, Suze. Oh, je regrette de ne pas avoir fait une animation piquée quand vous n'êtes vraiment pas drôle. Mais je vais faire ça. Je vais faire une animation piquée avec bonnet d'âne. Pense que ça manque un peu sur cette chaîne. C'est un truc qu'il faudrait vraiment produire pour vous humilier un peu. Voilà, quand vous êtes nul, voilà, quand on vous le dit pas assez. Suze, c'est vraiment pas bon ce calembour. Ouais, tu peux avoir honte, tu peux te cacher. N'en rajoute pas, Solarius, s'il te plaît. Hein? N'en rajoute pas. Donc ça va être ça. On va commencer par cette petite merveille, les couleurs de boucherie de Savitskaya. Et vous m'en direz des nouvelles. Ou pas d'ailleurs, vous pourrez ne rien m'en dire. Après tout, je m'en fous de votre avis. C'est ça l'avantage d'avoir une parole centralisée au milieu du live et vous qui crépitez tant que vous pouvez dans un chat avec vos petits doigts sur vos petits claviers pendant que je vous toise, que je vous aubombre de mon mépris souverain. Bon, c'est pour vous quand même que je fais tout ça, tu vois, quand même. Non, je ne voudrais pas laisser imaginer. Que je suis lecteur de ça ce soir juste pour le plaisir de lire, sinon je fais ça dans mon salon. Donc.
N'ayez pas de doute là-dessus, malgré tout ce que je peux en dire. Il y a quelque chose chez vous que j'aime, voilà. Sinon, je ne reviendrai pas. Salut, Seigneur Coconuts. Et bienvenue à toi. Par contre, je ne sais toujours pas quoi. Voilà. On y va. Eugène Savitskaya, couleur de boucherie. Est-ce qu'on a un petit peu de musique d'arrière-plan ou pas? Parce que moi, je l'entends pas. Pourquoi j'entends pas Marcel? Ah bah oui, je sais pourquoi je l'entends pas. Alors, on n'est pas obligé de le mettre fort, mais est-ce que j'en ai un petit retour là? J'aimerais bien. Est-ce que... hop. Voilà, j'ai un petit retour très léger. Hop. Ouais, par contre, il y a un retour de ma voix, et ça c'est con. Pas une bonne idée. Attendez, il faut que je trouve un équilibre intéressant entre la sortie du son. Voilà. Et la voix. Et on y va. Normalement, ça doit être pas trop mal équilibré. Odorante morte, odeur de toute la plante, jaune sur le talus, blanche, odorante, odeur de Déborah morte, perdue, du pré obscur, de la noire parcelle, pelouse usée, assise sur le vert, du jaune à son pourpoint. Déborah seule, Déborah veule, les cendres au tas, pourtour usé de cendres, de morceaux d'odorante morte, morfondue, fleur touchant son flanc, son bassin, le front déjà peint de la langue humectée, les pieds déjà mouillés, indienne morte, mort odorante, de la menthe au nez, de la couleur du jaune. Et du garçon le vélocipède suivant la traînée dans le sillage. Du garçon apparu, senti du châtain, son vélo sur l'herbe, sa machine vide sur la boue, bout du véhicule, bout de la catapulte, du noir au roux, au guidon. Du sang aussi sur le siège de coton, au poignet, l'immonde la catapulte vive, au poignet d'argent, le moteur encore chaud. Limon au visage du garçon apparu, peint, semble à Firmin. Giovanni, voyant l'archer, le jaune au visage, la main gauche noire sur la poitrine, le pourpoint déjà coloré, brûlé avec les feuilles, la robe trempée de pourpre, le linge empourpré. Odorant véhicule apparu, la maître, le maître, conducteur du limon. De limon parla de Déborah odorante, le jasmin apparu, d'herbe envahit Déborah, brûlait ses lotus, dévorait, colorait sa poupée jaune, morceau de machine. Debout au milieu des fleurs, au pré et la flamme léchait l'intérieur, l'index, l'ocre, bâton mouillé, parfumé, ogre odorant, méchant, le pourpre apparu, l'archer immobile. Le doigt vers la Déborah mouillée, morte, odorante et sainte, sa lingerie transpercée, le suc sur une paume et du Giovanni, le chalumeau encore au pot et transparent, humide, petit pinceau. Une odeur du limon, elle blanche, dévorait, mêlant les délicates, les morceaux du jeu à la main et la bouche fermée. Soigneusement appliqué, soudain Firmin, peu puant, dit, puis cria, puis mangea, consommant l'aubergine, vivement arrosée, à peine molestée. Elle, blanche, morte, fumée, cria et perdit une odeur du limon. Une partie du jeu, 9 segments de la machine. La couleur des entrailles, l'index en était noir et parfumé dans la chambre. Elle parlait Déborah, morte, celle qui parlait des fleurs, qui colorait le feuillage à la nuit. Au limon, sa poupée sur le velours est prête à sucer encore, veillant à tout absorber du contenu livide, déjà mouillé, déjà Déborah. Une odeur du jaune, elle perdit, et elle dévora, pesant les 3 graines, et parla des fleurs, quand apparut le véhicule gris. Nouveau véhicule, de métal le garçon, assis sur le siège de soie, les planchettes autour, l'odeur à l'intérieur. Cet archer plu, avec ses longues jambes, peint archer, machiniste coloré, la sentinelle suivie, mima le héros, plusieurs roses à la tête et le visage dissimulé, il était Giovanni, il mima le héros, il est péri, de Déborah, le limon encore humide, de la face blanche, de la face jaune, mima et péri, reçu l'ondée, détaché tout, les fleurs autour de lui, les déchets, les fétus sans odeur, une unique sentinelle occupant le jardin, détaché de tout, il plut, mourut au jardin, odorant de Déborah, morte. Soit détaché, soit parfumé,
De pourpre perdu, de limon coloré, comme la plante te mouillant, ta tête dans l'eau fraîche, ta main au corps, sur le jaune, sur la poudre, pareil au lion, découvert. Il ment, découvert, il parle de Déborah, le véhicule derrière lui, sur les fleurs, vide, soit détaché, coloré, il saigne, gentil, il ment, soit détaché de Déborah. Dévoilé, il meurt, il mime le héros, le machiniste, archer, monstre, maître du toit, du jardin, l'ogre jaune, le limon de pourriture. La grande fleur coupée, il meurt. Le véhicule d'horreur comme un véhicule mat, l'ardoise fondue, Déborah morte, détachée de la nuit, une sainte sur le limon, le limon sur le pré, le véhicule passant, appesanti. Soit jaune et beau, mime à l'archer, lait conducteur transpercé au lilas, la fontaine de couleurs, Déborah odorante, Déborah morte, aspirant le sucre, toujours peinte de nuit, toujours blanche, au bord de l'abîme, au pré, avec les signes odorantes, avec les fleurs colorées, cette odeur de la plante, cette plume de couleur, ce pinceau du coloriste, de cette odeur au limon, de ce cœur noir, de ce bras peint, il plut. De couleur douce, de douceur, l'ogre fut étouffé. De l'ogre, la couleur, la fontaine de nuit, de la fontaine de la couleur, le garçon apparut, innocent, satisfait de la peinture, de la boucherie blanche. De couleur jaune, d'horreur, peint sur la portière du véhicule, la main de cet archer indécis, cet archer doux, transpercé. Garçon libre de couleur et de nuit. Comme anéanti, comme le jaune de cet arbre appelé prunier brûlé, le limon à l'intérieur, dans le pot sans couleur, visible tasse de mélange sans odeur et humide, comme le gouffre bordé de petites fleurs et Déborah morte, appelée odorante, au centre du pré anéanti et de jaune apparu. Apparu le garçon, montra le prunier de jaune ou sans couleur, le trou dans le jardin pour les besoins de terre, la tasse fendue, vide et déjà renversée, et il périt. Ensuite, peint, coloré, à peine, collerette trempée, livrée de pure robe blanche et poitrine peinte, le bras agité mais la main noire, criait l'archer. Déborah, Déborah noire, comme après le repas, le garçon et son frère, comme le machiniste à la roue, à l'arbre, comme le marchand livide et son pied sur les serpents. La charrette contre la bordure et le porphyre pesant, ce marchand-là, parfumé. Il vit la sentinelle et cria jaune comme l'arbre, rose aux lèvres, aux bras, sur les jambes, les taches de couleur de Giovanni, transi, fatigué, porteur, coloré, Dominique. Seulement de la cendre autour de la fleur où on parlait de Déborah. Du limon Déborah qui respirait la fumée, l'odeur du piquet des fleurs alentour de Déborah mauvaise. Comme le garçon du véhicule de métal, de blanc bouclier, de la portière percée d'un cœur sur des roses. Et l'héroïne Déborah cria, deux doigts à la bouche pour écarter le monstre. Et la fontaine ouverte sur le pré. Comme la fleur, Déborah auprès de la fontaine avec les couleurs et les parfums, ou dans la pénombre entre des cloisons tapissées de nombreux motifs, combats sanglants, boucheries, animaux et fleurs, les fleurs toutes jaunes que touche l'archer, qui au buisson sans sourire, deux fois blessé, deux morsures à travers le linge de la nuit, dévorant les nouvelles tiges, mangeait doucement, aidé de sa main obscure, dévorait les feuilles, goûtant aux savoureux morceaux, un peu de salive au pourpoint, même l'arme mouillée, et le bras porteur peint. Sur le sein droit, un minuscule serpent bleu, fil tordu, pas une perruche ni une fauvette en pleurs dans le jardin de fleurs de Déborah, ce jardin rectangulaire pour du pavot. Ici, apparu l'archer cria, mourut sur l'herbe, désirant la robe violette de son ami, la couleur sur son pré, la mort, et parfumé, goûté un peu à toute la plante, laissant du jaune sur chaque rameau, odorant de confiture, pourriture de limon, et le monstre, maître peint, cria, dévora, défit sa ceinture et murmura, murmura morte, peinte et morte, Déborah, son foulard jaune sur l'herbe et la couleur sur le pré. Voilà. Salut maman. Salut les gens qui vous installez. Donc si vous avez raté le début, c'était un extrait des couleurs de boucherie de Eugène Savitskaya. Et j'espère que ça vous a plu, parce que c'est drôlement bien. Voilà, voilà. Ça me servait un petit peu de bicep que Agnès a eu la gentillesse de faire. Alors, est-ce que ça vous a plu? Ce qui est fascinant, c'est vraiment la... Quand je parlais tout à l'heure du caractère parfois exsangue de l'écriture de Blanchot, ici,
c'est pas du tout l'écriture hein, qui est exsangue, mais c'est le champ lexical qui est très resserré, c'est trois fois rien. Il y a vraiment une espèce de réagencement infini d'un tout petit peu de matériel, d'un champ lexical très restreint. Mais je vous encourage vraiment à lire ça. Alors vous le trouverez plus dans cette collection-là, hein, Les couleurs de boucherie, plus maintenant, mais désormais dans la nouvelle publication qui vient d'en être faite. Donc ça vous a plu, et bien tant mieux. Et bien on va continuer sur la pile. Je ferais peut-être bien de faire une deuxième pile, voilà. Par terre, c'est un bon endroit pour une pile. Où je vais poser les livres comme que je vous ai déjà lus. Je ne vous ai pas amené beaucoup d'essais. En fait, j'ai juste amené un petit peu de Roger Caillois. Hein. J'en ai amené deux. J'ai amené Pierre, que j'aime énormément. Qui est un... Alors, l'écriture de Caillois, elle est toujours dans une espèce d'entre-deux étiré. Il y a une espèce de... Comment dire, de parodie discrète du discours naturaliste. Des choses qu'on retrouve également chez Jacques Brosse ou ce genre d'écrivain. Qui est pas mal intéressant, enfin, qui est assez fascinant, par lequel se rencontre comme ça une écriture, comment dire, qui semble empruntée au mode descriptif le plus sérieux, mais qui est toujours un prétexte pour construire des univers poétiques. Alors pas avec l'espèce de drôlerie, un peu de burlesque appuyé de Michaud, par exemple, qui joue beaucoup sur cette fibre-là. Non, non, quelque chose comme une espèce d'intention de produire de l'ambiguïté entre le vrai et le faux. Ce que Borges fait dans ses propres nouvelles, par exemple, c'est pas pour rien si Caillois a apporté en quelque sorte Borges pour les lecteurs français. C'est grâce à lui essentiellement hein, qu'on lit Borges en France. Et il y a des points communs entre les approches de Caillois et celles de Borges dans son écriture poétique. Donc je vous lirai tout à l'heure un peu de Pierre. Mais là, je vous ai amené un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle « De l'incertitude qui vient des rêves », qui, outre le côté assez enthousiasmant des hypothèses et des dérives de Caillois, a aussi une valeur critique assez chouette sur, les différents plans dans lesquels le rêve apparaît dans l'intérêt soit des poètes et des écrivains, soit des psychanalystes. Il se penche sur la matière du rêve et à la fois il s'en moque un peu. Il doute du grand intérêt que portent les rêves à proprement parler, mais il le fait avec assez de finesse pour qu'on soit plongé dans la même incertitude à sa lecture que lui à l'égard de la qualité littéraire éventuelle de ce que l'on pourrait trouver comme matière dans les rêves. C'est plutôt chouette. C'est drôle, il y a des moments où il égratigne assez sévèrement Breton, et évidemment on ne peut pas résister au plaisir de lire quelqu'un qui se fout de la gueule de Breton, c'est toujours un plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce que dit Solarius? Ça ne va pas faire trop rock si j'ai assez d'essais. Excellent. Très très drôle. Ouais, il est vraiment temps que je fasse cette animation en fait avec un piquet. Vous l'aurez pas volé, bande d'affreux. Alors. On y va. Pendant qu'on rêve, comme on n'est pas libre, on croit nécessairement qu'on veille. Mais quand on veille, toutes les convictions, qui plus est toutes les hésitations sont possibles. On peut également s'imaginer, se convaincre, conclure qu'on vient de rêver ou à l'inverse qu'on ne rêvait pas. Car le rêve ne diffère pas toujours de la vie. Il se contente parfois de la prolonger en lui ajoutant un seul détail probable, qu'il est ensuite difficile de distinguer des autres dans la mémoire. En revanche, la réalité fut parfois si surprenante que la mémoire la récuse et qu'on s'écrie devant telle scène qui surgit soudain de l'abîme et de l'oubli qui paraît maintenant insolite. J'ai dû rêver. Sur ces entrefaites et au milieu même de ces réflexions, précédant de peu un épisode plus troublant, le hasard d'une conversation désœuvrée eut pour conséquence inattendue de m'inciter à examiner de plus près les arguments par lesquels les philosophes ont fondé la distinction du rêve et de la réalité. Un soir de juillet 1952, je rencontrais à l'improviste à Strasbourg Denis de Rougemont,
dans la salle à manger d'un hôtel de la place Kléber où, isolé, à une table, j'étais un des rares clients. Cette rencontre n'était pas extraordinaire car nous devions participer la semaine suivante à une même réunion dans une petite ville des environs. Il me raconta qu'il venait de voir à Paris notre ami Nikola Nabokov, revenu de Londres, le jour même en avion à qui il était arrivé l'aventure suivante. Nabokov s'était trouvé assis dans l'appareil à côté d'un Chinois inconnu qui n'avait pas tardé à s'endormir. Se réveillant soudain, le Chinois avait demandé en anglais à Nabokov « Vendez-vous de la quincaillerie ?» Puis, sur la réponse négative de celui-ci, il s'était rendormi et lui avait plus adressé la parole et même à l'arrivée. Rougemont essayait de trouver une explication plausible à la conduite de son voisin chinois. Fatigué de la chercher en vain, il conclut que des histoires pareilles arrivaient constamment à Nabokov et d'ailleurs n'arrivaient qu'à lui. Une des hypothèses mises en avant était que le Chinois, mal réveillé, s'adressant si bizarrement à son voisin, n'avait fait que continuer un rêve. Le soir, dans ma chambre, je repensais à l'épisode et il me vint à l'esprit que c'était peut-être pas le Chinois qui avait dormi et rêvé, mais c'était bel et bien Nabokov lui-même. Cette nouvelle version me parut beaucoup plus vraisemblable que la première. Nabokov s'était assoupi un instant, sans doute, pendant lequel il avait rêvé que le Chinois lui avait demandé s'il vendait de la quincaillerie. Et réveillé, il s'était pas rendu compte qu'il avait dormi, encore moins qu'il avait rêvé, de sorte que le souvenir de son rêve lui apparaissait comme le souvenir d'un épisode réellement vécu. Satisfait de cette explication, j'y pensais plus et négligeais le lendemain de la proposer à Rougemont. Quelques semaines plus tard, au cours d'une discussion, j'eus l'occasion de citer à titre d'exemple cette histoire et la solution que j'avais imaginée. Je me rendis compte alors que j'étais resté en chemin, car je pouvais également supposer que Nabokov n'avait rien raconté du tout à Rougemont et que celui-ci, dans le train qui l'amenait à Strasbourg, s'était endormi et avait rêvé que Nabokov lui avait fait ce récit. J'ai compris qu'à mon tour, j'avais pas de preuve que Rougemont m'eût réellement rapporté quoi que ce fût au sujet de Nabokov, et que je pouvais moi-même être victime de la même confusion que je venais de lui attribuer. Certainement, je pouvais pas être sûr que le soir à Strasbourg, après l'avoir quitté pour aller dormir, j'avais pas rêvé qu'il m'avait conté, en s'en étonnant, l'étrange aventure prétendument arrivée à Nabokov. J'entrevis aussi que, si jamais j'écrivais cette argumentation, chacun des lecteurs sous les yeux de qui elle serait tombée pourrait, quelques jours, se demander s'il avait réellement lu ces pages ou s'il n'avait pas plutôt rêvé qu'il avait eu inexplicablement dans les mains une revue contenant, sous la signature d'un certain Roger Caillois, cette dialectique à la fois rigoureuse et démente, comme sont précisément celles des rêves. S'il arrivait alors à tel de ses lecteurs de confier son incertitude à quelque ami, il faudrait songer à imaginer celui-ci doutant à son tour de n'avoir pas rêvé la conversation au cours de laquelle il lui fut donné d'entendre un récit à ce point extravagant. Et ainsi de suite, le report est sans fin. Sans doute, pareille cascade d'hypothèses est bien théorique. À chaque récurrence, des vérifications sont possibles. Rien n'empêche le confident du lecteur supposé de demander à celui-ci si l'entretien a vraiment eu lieu. Le lecteur lui-même pourrait retrouver le numéro de la revue. Il ne tient qu'à moi d'interroger Rougemont qui peut interroger Nabokov. Il n'est même pas hors de portée de ce dernier s'il s'en donne la peine de retrouver les Chinois qui, à telle date, a voyagé dans tel avion, de telle compagnie. Mais des vérifications de cette espèce ne sont pas toujours faciles. Et elles ne sont pas non plus toujours probantes. Nabokov peut avoir oublié l'incident. Devrais-je en conclure que c'est Rougemont qui est arrivé ? Quant au Chinois, j'imagine un instant que Nabokov le retrouve et qu'il l'interroge. Comment admettre raisonnablement qu'il se souviendra d'avoir posé il y a des années une question incongrue à un voisin d'avion dans un état de demi-sommeil ? Décidément, il faut consentir que la mémoire n'est pas immanquablement en mesure de distinguer avec certitude le souvenir du rêve et le souvenir de la réalité. Ce sont ces défaillances
Et aussi ses apports, c'est la mise à jour continuelle imperceptible qu'elle ne cesse d'imposer aux souvenirs. Ce sont, dans les cas graves, ces maladies, qui rendent parfois malaisés de se prononcer sans arrière-pensée sur la valeur des matériaux qu'elle extrait d'une immense nuit et dont la familiarité peut n'être qu'un mirage. Il arrive que l'hésitation en ce domaine atteigne au désarroi et qu'elle fasse chanceler les certitudes les mieux acquises. À la fin d'une après-midi de novembre, au bas de l'avenue MacMahon, devant les magasins réunis, je m'avisais avec émotion que j'avais le temps de monter chez une amie qui habitait le quartier, qui me semblait qu'il y avait des mois que je n'avais pas vu. Ce serait comme une résurrection de la revoir. Notre longue liaison, que personne n'avait soupçonnée, avait été parfaite, et le secret où nous l'avions maintenu d'un commun accord nous l'avait rendue plus délicieuse encore. Jamais de querelle, jamais de rancune, ni aucune de ces obligations qui finissent par devenir une servitude pénible. Le bonheur, le plaisir, le calme, le plaisir encore. Je me rappelais d'un coup toutes les heures passées ensemble, l'atmosphère et le silence du minuscule appartement. La sollicitude, la discrétion, la douceur de cet ami, je revoyais la cuisine dont la fenêtre s'ouvrait sur une cour anormalement étroite et suspendue au milieu de la pièce, la lampe électrique avec un abat-jour d'opaline frisé sur les bords. Cette lampe était munie d'un contrepoids de porcelaine qui permettait de la faire descendre à la hauteur souhaitée. Les détails domestiques, si nets, laissait en même temps transparaître la présence, je devrais dire la rumeur, le foisonnement en tout cas, d'une multitude de plus ardentes images qui, toutes indistinctes qu'elles demeuraient, me gonflaient de désir et de tendresse. Je me hâtais vers la maison de mon amie, impatient d'arriver, ne doutant pas qu'elle ne fût chez elle et qu'elle ne m'attendît. Mais je ne reconnus pas l'immeuble. Il y en avait plusieurs qui se ressemblaient beaucoup et je dus entrer dans chacun d'entre eux pour examiner le couloir et la cage d'ascenseur. Aucun n'était celui que je cherchais et je me retrouvais tout déconcerté dans la rue. Stupéfait. Je m'aperçus soudain que j'avais oublié le nom de cette rue, où cependant j'étais si souvent allé, et jusqu'au numéro même de la maison. Un peu effrayé, je me mis à parcourir les rues obliques qui joignaient l'avenue des Ternes à l'avenue Niel. Je savais du moins que la rue que je cherchais était l'une de celles-ci. C'était maintenant une sorte de débâcle, de vertige. Les découvertes se succédaient avec une rapidité croissante. Je devais me rendre compte que je ne me souvenais pas non plus du nom de ma compagne, ni de son visage, ni de sa coiffure, ni de ses vêtements. Je le pressentis brusquement. Je ne saurais plus rien d'elle. Ce serait strictement comme si elle n'avait jamais existé. En un clin d'œil, cette étrange amnésie avait atteint tous les souvenirs qui la concernaient à mesure que j'essayais de les évoquer, où je l'avais rencontrée. Comment elle était devenue ma maîtresse? De quelle façon? Pourquoi nos relations si heureuses s'étaient espacées? Si je dormais à côté d'elle? Et de quel côté du lit? Si nous descendions ensemble prendre le petit déjeuner, et dans quel café? S'il nous arrivait de nous promener, ou si nous ne nous rencontrions jamais que dans l'intimité d'une chambre? Il suffisait que je me pose une question pour que la réponse m'en fût sur le champ, à tout jamais ravi. Tout un pan de ma vie sentimentale et sensuelle, il me semblait que je mesurais alors pour la première fois à sa valeur le cadeau inestimable que m'avait fait la destinée en cette occasion. Toute cette saison de félicité qui avait peut-être duré des années entières s'abîmait dans d'impitoyables ténèbres qui n'en restitueraient rien. Le désastre ne laissait émerger que des lambeaux dérisoires d'images anonymes. Une fenêtre ouverte sur une cour exiguë, une table de cuisine couverte de toile cirée sous une ampoule, un abat-jour, un contrepoids. Rien, je m'en rendais compte avec douleur, rien qui pût me mettre sur la trace d'un bonheur désormais perdu.
Je n'ai pas le goût d'employer un vocabulaire pathétique, mais je dois dire que j'ai rarement vécu une minute aussi poignante que celle-ci. Ou un stupide accident de la mémoire, que je devinais définitif. Me frustrait en un court instant de souvenirs qu'auraient toujours été pour moi, quoi qu'il dût m'arriver, une consolation précieuse et vivifiante. En outre, je n'étais pas sans me douter que cette mutilation, si elle avait porté sur des souvenirs honteux ou horribles, en aurait été à peine plus supportable. D'une façon analogue, même celui qui ne veut pas avoir d'enfant n'écoute pas avec joie son médecin qui lui apprend qu'il est stérile. Je me réveillais désespéré. L'idée que j'avais rien perdu me rasséréna promptement, mais elle ne pouvait pas m'empêcher de constater que je n'avais rien perdu seulement parce que je n'avais jamais possédé la félicité que j'avais cru m'avoir été enlevée. Heureusement, je prends garde depuis longtemps à ne pas regretter ce que je n'ai pas eu, et qui, bien entendu, est innombrable. Je manque rarement de me mourir gêné d'éprouver un tel sentiment qui porte en soi sa punition. Mieux vaut désirer avec passion et s'efforcer d'obtenir, quitte à s'apercevoir bientôt qu'on était nullement prêt à consentir les sacrifices nécessaires pour atteindre un bien qu'on s'imaginait convoiter avec un excès d'ardeur. Dans ce cas particulier, un autre soupçon continua de me tourmenter. J'ai rêvé, soit. J'ai pu même découvrir, dans les jours qui ont précédé le rêve, nombre d'éléments qui s'y retrouvent incorporés. Ainsi, la tentative d'identifier une maison en pénétrant dans les couloirs de plusieurs immeubles. J'avais employé le procédé plusieurs semaines auparavant en allant rechercher un livre chez un relieur de Montmartre, à qui je l'avais confié. J'avais oublié son nom et le numéro de sa maison, de sorte que je dus tâtonner, à peu près comme dans mon rêve, où, sans nul doute, le souvenir de cette quête a joué son rôle. Chacun sait du reste que dans les rêves tout est fou, transposé ou emprunté, sauf toutefois les émotions qu'on y ressent, et qui sont aussi réelles que celles qu'on éprouve à l'état de veille. Ainsi, dans un cauchemar, les dangers auxquels le dormeur se voit exposé, les sévices qu'il croit subir, certes sont imaginaires, mais non pas son angoisse, non pas son épouvante. Sa gorge est vraiment nouée, la sueur qui le baigne est véritable, à quoi les psychologues, comme on sait, ne sont pas en peine de découvrir dans la physiologie ou dans l'inconscient des explications diverses et d'ailleurs tout à fait concurrentes. À supposer que mon désarroi ait, pour ainsi dire, sécrété mon rêve, comme l'araignée sécrète sa toile, il me paraît secondaire pour mon propos d'en rechercher l'origine ou la signification. Une fois de plus, là n'est pas le problème principal, mais dans le fait qu'il existe des amnésies de différentes espèces, partielles, rétrograde, que sais-je encore, qui porte sur un ensemble de souvenirs et sur lui seul. La description de ces amnésies cataloguées, qui engloutissent sans merci des souvenirs réels, répond exactement au phénomène qui m'est arrivé en rêve et qui m'a, pour un instant, convaincu que s'anéantissait en moi tout ce qu'il a rattaché au reste de ma vie, la plus merveilleuse aventure que j'eusse jamais reçue du sort. Il suit qu'il n'est pas sûr que pour être arrivé en rêve le naufrage est une moindre réalité. Je veux dire que rien ne prouve absolument que j'ai pas authentiquement vécu ces amours qui me semblent fictifs seulement pour m'avoir été retiré en rêve, et qu'à l'inverse, je devrais nécessairement tenir pour réel si le souvenir s'en était obscurci pendant que je veillais. La difficulté fondamentale reste la même que tout à l'heure, pour la question que Nabokov, Rougemont, moi-même, mon lecteur éventuel, son confident, étaient amenés à se poser. Mais cette fois, elle ne porte plus sur un détail. Elle se trouve, pour ainsi dire, élevée à une puissance supérieure du fait que, au départ, l'ambiguïté se trouve située dans le rêve et non dans la veille. C'est donc ça. Un des grands bouquins de Kaiwa, vraiment chouette, de l'incertitude qui vient des rêves. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est le moment de boire une petite gorgée de Bissa. Alors, Suze nous dit, c'est quand même chouette les gens qui écrivent à partir de leurs rêves. Ça dépend de ce qu'ils écrivent, généralement non, c'est la plupart du temps complètement nul. Mais il y a Kaiwa, voilà.
qui a beaucoup de choses à nous dire. C'est la façon d'interroger la substance du rêve. Et les étranges liens qui se tissent avec lui en éveil sont absolument passionnants. Donc globalement, les gens qui écrivent à partir de leurs rêves, c'est la plupart du temps assez raté. Enfin, s'il s'agit par exemple juste de décrire ce qui s'est passé dans un rêve, personne n'a envie d'être vissé directement à l'inconscient de quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'est vraiment la dernière chose au monde qui m'intéresse, croyez-moi. J'ai dit que j'allais vous lire pas mal de grands exagérateurs ce soir. Donc évidemment, je vais vous lire un grand exagérateur, je vais vous lire du Thomas Bernard. Et non, je dis pas ça pour celui-là, je dis ça d'une façon générale. Il y a énormément d'écrivains qui travaillent sur la matière de leurs rêves. Et donc c'est vraiment très général. Je vais vous lire deux petits extraits d'un bouquin que j'aime beaucoup de Thomas Bernard. C'est un des grands classiques. C'est Maîtres anciens. C'est probablement un des récits les mieux connus et les plus appréciés de Thomas Bernard. Alors, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Des arbres à abattre. Oui, si, je m'en souviens, Suze. Mais non. Bien entendu. Mais pour autant, globalement, ça reste pas une super idée, quoi. Vaut mieux se tenir à distance de cette tentation. Oh, ça faisait longtemps, dis donc, Suze. Ce qui est plutôt bon signe, le fait que ça fasse longtemps. Ça veut dire que quand t'es ici, t'y crois plus toi-même. C'est chouette. Allez, on va se lire un peu de Thomas Bernard, cette vieille ganache agressive, grinçante et sardonique. On commence donc par les Viennois. Il a beaucoup de comptes à régler avec les Viennois toute sa vie. Il passera beaucoup de temps à les insulter. Il y a même un roman entier qui n'est consacré qu'à ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un des derniers. C'est que ça, c'est une infinie litanie sur les Autrichiens. Tu es donc en forme, très bien, Suze, tant mieux. Les Viennois disent sans cesse dans les Balkans, tout est tellement sale, ce bruit court partout. Mais à Vienne, tout est encore 100 fois plus sale que dans les Balkans. Voilà ce qu'a dit Reger. Quand vous entrez avec un Viennois dans son logement, le plus souvent la saleté vous laisse pantois. Naturellement, il y a des exceptions, mais la règle est tout de même que les logements viennois sont les logements les plus sales du monde. Je me dis toujours, que pensent les étrangers lorsqu'ils sont obligés d'aller aux toilettes à Vienne? Que pensent ces gens qui sont tout de même habitués à des toilettes propres lorsqu'ils doivent se rendre dans ces toilettes viennoises qui sont les plus sales d'Europe? Les gens vont seulement uriner en vitesse et ils reviennent épouvantés par tant de saleté dans le pissoir. Partout, cette odeur nauséabonde, même dans tous les cabinets publics. Peu importe si vous avez au cabinet dans les gares ou si vous avez besoin d'y aller dans le métro, vous devez aller dans les cabinets les plus sales d'Europe. C'est ainsi. Aussi, et surtout dans les cafés de Vienne, les toilettes sont si sales qu'on en est écœuré, a dit Reger. D'une part, ce gigantesque et mégalomane culte des gâteaux, et d'autre part, ces toilettes d'une effroyable saleté, a-t-il dit. Dans beaucoup de ces toilettes, on a l'impression qu'il y a des années qu'on ne les a pas nettoyées. D'une part, les cafetiers protègent leurs gâteaux du moindre courant d'air, ce qui est naturellement bon pour les gâteaux. Mais d'autre part, ils n'attachent pas la moindre importance à la propreté de leur cabinet. Malheur, a dit Reger, si un jour on est obligé, avant même d'avoir commencé à manger des gâteaux, d'aller aux toilettes dans l'un de ces cafés, la plupart d'entre eux pourtant très renommés, lorsqu'on sort des toilettes, l'envie vous a complètement passé de manger une seule bouchée d'un seul gâteau qu'on vous proposerait ou même qu'on vous a déjà servi. Mais les restaurants viennois, eux aussi, sont sales. J'affirme que ce sont les plus sales de toute l'Europe. À tout moment, vous vous trouvez devant une nappe couverte de taches. Et si vous faites remarquer aux garçons que la nappe est tachée et que vous n'avez pas l'intention de prendre votre repas sur une nappe constellée de taches, cette nappe constellée de taches n'est ôtée que de mauvaise grâce et remplacée par une autre. Si vous exigez qu'on retire une nappe sale, vous ne vous attirez tout de même que des regards furieux et positivement dangereux. Dans la plupart des auberges, vous n'avez même pas droit à une nappe sur la table. Et lorsque vous demandez qu'on veuille bien essuyer le plus gros de la saleté du plateau sale, et même très souvent inondé de bière, on vous répond d'un ton grossier et hargneux. La question des toilettes et la question des nappes ne sont pas résolues à Vienne, a dit Reger. Dans toutes les grandes villes du monde, et je les ai finalement visitées presque toutes et appris à en connaître la plupart mieux que superficiellement, il va de soi qu'on met une nappe propre sur votre table avant que vous commenciez votre repas.
À Vienne, une nappe propre ou au moins une table propre, ça va pas du tout de soi. Et pour ce qui est des toilettes, la situation est exactement la même. Les toilettes viennoises sont les plus dégoûtantes, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Quel est l'avantage d'un excellent repas si avant même que vous commenciez à manger, l'appétit vous passe dans les toilettes? Et que vous reste-t-il d'un excellent repas si ensuite dans les toilettes, vous avez l'estomac retourné? Les Viennois, comme les Autrichiens dans leur ensemble, sont incultes en matière de toilettes. Les cabinets autrichiens ont toujours été une catastrophe, a dit Reger. Si réputée que soit Vienne pour sa cuisine, vraiment excellente la plupart du temps, du moins pour ce qui est des entremets, tout aussi peu glorieuse est sa réputation en matière de toilettes. Récemment encore, l'ambassadeur avait aussi des toilettes qui défiaient toute description. Mais un beau jour, tout de même, la direction a réfléchi, elle en a installé d'autres, exceptionnellement, bien réussi, positivement, parfaite jusque dans les plus petits détails, non seulement du point de vue architectonique, mais aussi sociologiquement, sanitaire. En vérité, les Viennois sont les gens les plus sales d'Europe et il est scientifiquement établi que le Viennois n'utilise une savonnette qu'une fois par semaine. De même qu'il est établi scientifiquement qu'il ne change de caleçon qu'une fois par semaine. Tout comme il change de chemise tout au plus deux fois par semaine et la plupart des Viennois ne changent de drap qu'une fois par mois. Voilà ce qu'a dit Reger. Les chaussettes ou les mi-bas, les Viennois les portent en moyenne jusqu'à 12 jours de suite, a dit Reger. Sous ce rapport, les fabricants de savon et les industriels de la lingerie ne font nulle part en Europe d'aussi mauvaises affaires qu'à Vienne, et naturellement dans toute l'Autriche. Voilà ce qu'a dit Reger. En revanche, ils utilisent des quantités énormes d'eau, de toilettes, des catégories les moins chères, a dit Reger, et tous les Viennois puent déjà de loin de façon pénétrante la violette, l'œillet ou le muguet. En conséquence, il est naturel de conclure à partir de la saleté extérieure des Viennois à leur saleté intérieure. Voilà ce qu'a dit Reger. Et effectivement, les Viennois ne sont pas beaucoup moins sales à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et peut-être bien, a dit Reger, je dis peut-être bien, c'est-à-dire pas tout à fait certainement, s'est-il corrigé. Peut-être bien que les Viennois sont encore beaucoup plus sales à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et tout donne à penser qu'ils sont en fait beaucoup plus sales à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième passage. Pauvre Thomas Bernard, qui est né et mort en Autriche. La sentimentalité en général, c'est ça qui est épouvantable. C'est aujourd'hui la grande mode, comme d'ailleurs tout ce qui est kitsch est aujourd'hui la grande mode. Depuis le milieu des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, au milieu des années 80, la sentimentalité et le kitsch sont la grande mode en littérature, en peinture ou en musique. Jamais encore on a écrit autant de kitsch sentimental qu'aujourd'hui dans les années 80. Jamais encore on a peint d'une façon aussi kitsch et sentimentale. Et les compositeurs se surpassent mutuellement dans le kitsch et la sentimentalité. Allez donc au théâtre, là où on vous présente aujourd'hui que du kitsch, qui est un véritable danger public, rien que de la sentimentalité. Et même si l'action est brutale et violente sur la scène, ce n'est tout de même que de la sentimentalité vulgaire et kitsch. Allez aux expositions, on ne vous montre plus que le summum du kitsch et la sentimentalité la plus répugnante. Allez dans les salles de concert, là aussi vous n'entendez plus que kitsch et sentimentalité. Aujourd'hui, les livres sont bourrés de kitsch et de sentimentalité. C'est cela qui a mis Stifter tellement à la mode ces dernières années. Stifter est un maître du kitsch, dit Reger. Sur n'importe quelle page de Stifter, il y a tellement de kitsch que plusieurs générations de nonnes et d'infirmières assoiffées de poésie pourront en être satisfaites, a-t-il dit. Et en vérité, Bruckner, lui aussi n'est que sentimental et kitsch. Rien qu'un stupide, monumental bouchon de cérumen orchestral. Les jeunes... Et les très jeunes écrivains qui écrivent aujourd'hui n'écrivent pour la plupart que du kitsch sans esprit et sans cervelle. Ils développent dans leurs livres une sentimentalité pathétique proprement insupportable. Il est donc parfaitement compréhensible que chez eux aussi, Stifter soit à la mode. Stifter qui a introduit le kitsch sans esprit et sans cervelle dans la grande et haute littérature qui a fini par un suicide kitsch est aujourd'hui la grande mode, a dit Reger. C'est pas du tout si incompréhensible qu'aujourd'hui, où le terme forêt et le terme dépérissement de la forêt sont tellement entrés dans la mode et où la notion de forêt en général est le plus en usage et en mauvais usage, les grands bois de Stifter se vendent plus que jamais. La nostalgie des gens est aujourd'hui plus que jamais la nature. Et comme ils croient que tout ce que Stifter a décrit la nature, alors
Ils vont tous à Stifter. Mais Stifter n'a pas du tout décrit la nature, il l'a seulement kitschifié. Toute la bêtise des gens se montre dans le fait qu'ils vont aujourd'hui par centaines de milliers en pèlerinage à Stifter et qu'ils s'agenouillent devant chacun de ses livres comme si chacun était un autel. C'est justement dans un tel pseudo-enthousiasme que l'humanité me dégoûte, a dit Reger, qu'elle me répugne absolument. Au bout du compte, toute chose finit dans le ridicule, ou du moins dans le pitoyable, si grande et si importante qu'elle puisse être au début, a-t-il dit. En fait, Stifter me fait tout le temps penser à Heidegger. Heidegger, ce ridicule petit bourgeois national-socialiste en culotte de golf. Si Stifter a totalement kitschifié la grande littérature de la façon la plus éhontée. Heidegger, le philosophe de la forêt noire. Heidegger a kitschifié la philosophie. Heidegger et Stifter ont chacun pour soi à sa manière désastreusement kitschifié la philosophie et la littérature. Heidegger, après qui ont couru les générations de la guerre et de l'après-guerre, qui déjà de son vivant ont déversé sur lui une avalanche de thèses et de doctorats répugnantes de stupidité. Je le vois toujours assis sur le banc devant sa maison de la forêt noire à côté de sa femme, qui dans son enthousiasme pervers pour le tricot, lui tricote sans arrêt des mi-bas d'hiver avec la laine tondue par elle-même de leurs propres moutons heideggeriens. Heidegger, je peux pas le voir autrement qu'assis sur le banc, devant sa maison de la forêt noire. À côté de lui, sa femme, qui toute sa vie l'a complètement dominé, et qui lui a confectionné tous ses mi-bas au tricot et tous ses bonnets au crochet, et qui lui a cuit son pain heideggerien et tissé ses draps heideggeriens, qui lui a même fabriqué ses sandales heideggeriennes. Heidegger était une tête kitsch, a dit Heidegger, tout comme Stifter. Mais tout de même, encore beaucoup plus ridicule que Stifter, qui était en fait un personnage tragique, contrairement à Heidegger, qui n'a jamais été qu'un personnage comique. Tout aussi petit bourgeois que Stifter, tout aussi effroyablement mégalomane, un faible penseur préalpin selon moi, tout juste fait pour la potée philosophique allemande. Ce Heidegger, ils l'ont tous avalé, gloutonnement, pendant des décennies, plus que tout autre. Ils en ont bourré leur estomac allemand de germanistes et de philosophes. Heidegger avait une figure ordinaire, pas une figure marquée par l'esprit, a dit Heidegger. C'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit, dénué de toute imagination, dénué de toute sensibilité, un ruminant philosophique foncièrement allemand, une vache philosophique continuellement pleine, a dit Heidegger, qui paissait sur la philosophie allemande et qui pendant des décennies a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la forêt noire. Heidegger était en quelque sorte un escroc philosophique, a dit Heidegger, qui a réussi à mettre sans dessus toute une génération de spécialistes allemands en sciences humaines. Heidegger est un épisode repoussant de l'histoire de la philosophie allemande, a dit Heidegger, hier, auquel tous les Allemands savants ont participé et participent encore. Aujourd'hui, Heidegger n'a pas encore été entièrement percé à jour. Si la vache Heidegger a bien maigri, on continue toujours à tirer le lait heideggerien. Heidegger, dans sa culotte de golf feutrée devant l'hypocrite Blockhaus de Teutonberg, ne reste plus pour moi qu'une photo qui le démasque. Petit bourgeois de la pensée, avec le bonnet noir de la forêt noire, sur sa tête dans laquelle n'a jamais cessé de bouillonner l'imbécilité allemande. Voilà ce qu'a dit Heidegger. Quand nous sommes vieux, nous avons déjà suivi tout un tas de modes assassines. Toutes ces assassines modes artistiques et modes philosophiques et modes d'objets usuels. Heidegger est un bon exemple de la façon dont une mode philosophique qui un jour a conquis toute l'Allemagne, il n'en reste rien qu'un certain nombre de photos ridicules et un certain nombre d'écrits beaucoup plus ridicules encore. Heidegger était un camelot philosophique qui n'a apporté sur le marché que des articles volés. Tout chez Heidegger est de seconde main. Il était, et il est, le prototype du penseur à la traîne, à qui tout, mais alors vraiment tout, a manqué pour penser par lui-même. La méthode de Heidegger consistait à transformer, avec le plus grand manque de scrupules, de grandes pensées empruntées en petites pensées personnelles. C'est tout de même ça qui est vrai. Heidegger a tellement rapetissé tout ce qui est grand, que c'est devenu possible pour les Allemands. Vous comprenez? Possible pour les Allemands. Heidegger est le petit bourgeois de la philosophie allemande, qui a coiffé la philosophie allemande de son bonnet de nuit kitsch, d'un bonnet de nuit noir kitsch, que Heidegger a d'ailleurs toujours porté en toutes circonstances. Heidegger est le philosophe en pantoufles et en bonnet de nuit des Allemands, rien de plus. Je ne sais pas, a dit Heidegger hier, chaque fois que je pense à Stifter, je pense aussi à Heidegger, et inversement.
C'est tout de même pas un hasard à Jäger si Heidegger, tout comme Stifter, a toujours plu avant tout aux femmes crispées. Elle leur plaît encore aujourd'hui, de même que les nonnes diligentes et les infirmières diligentes qui consomment Stifter en quelque sorte comme un plat favori, de même qu'elles consomment Heidegger. C'est encore aujourd'hui le philosophe préféré du monde féminin allemand. Voilà ce qu'est Heidegger, le philosophe du repas de midi, particulièrement approprié à l'appétit philosophique allemand, et sorti tout droit de la poêle des savants. Quand vous arrivez dans une réunion petite bourgeoise, ou même dans une réunion aristocratico-petite bourgeoise, très souvent on vous sert Heidegger, avant même les hors-d'œuvre. Vous n'avez pas encore enlevé votre manteau qu'on vous offre déjà un morceau de Heidegger. Vous n'êtes pas encore assis que la maîtresse de maison vous a déjà, pour ainsi dire, apporté Heidegger avec le chéri sur le plateau d'argent. Heidegger est une philosophie allemande toujours bien préparée, qui peut être servie partout et à tout moment, à dire Heidegger, dans n'importe quelle bonne maison. Je ne connais pas aujourd'hui de philosophe plus dégradé, a dit Heidegger. D'ailleurs, pour la philosophie, Heidegger est fini, alors qu'il y a 10 ans, il était encore le grand penseur. À présent, il ne fait plus que hanter, pour ainsi dire, les ménages pseudo-intellectuels, les réunions pseudo-intellectuelles. Et à toute leur hypocrisie naturelle, il ajoute encore une autre, artificielle. Tout comme Stifter, Heidegger est pour l'âme allemande moyenne un pudding de lecture fade mais facilement digestible. Heidegger a aussi peu à voir avec l'esprit que Stifter avec la poésie, croyez-moi. Pour ce qui est de la philosophie de la religion, ces deux-là valent autant dire rien. Bien que je place tout de même Stifter plus haut que Heidegger, qui m'a tout de même toujours repoussé. Car tout ce qui touche à Heidegger m'a toujours rebuté. Non seulement le bonnet de nuit sur la tête et le caleçon d'hiver tissé à la maison sur le poêle chauffé par lui-même à Tottenhautberg. Non seulement son bâton de la forêt noire taillé par lui-même, mais justement sa philosophie de forêt noire taillée par lui-même. Tout comme chez Tom, tragicomique m'a toujours rebuté, m'a toujours très profondément repoussé chaque fois que j'y pense. Il me suffisait de connaître une phrase de Heidegger pour être rebuté. Et la simple lecture de Heidegger, a dit Heidegger. Heidegger m'a toujours fait l'effet d'un charlatan, qui n'a jamais fait qu'exploiter tout ce qui l'entourait, et qui, tout en s'adonnant à cette exploitation, se prélassait au soleil sur son banc de Tottenberg. Quand je pense que même des gens hautement intelligents se sont laissés attraper par Heidegger, et que même l'une de mes meilleures amies a fait une thèse sur Heidegger, et de plus, qu'elle a fait cette thèse sérieusement, aujourd'hui encore j'en ai la nausée, a dit Heidegger. Ce n'est rien sans fondement. Ce rien n'est sans fondement et tout ce qu'il y a de plus ridicule. Voilà ce qu'a dit Heidegger. Mais l'affectation en impose aux Allemands, a dit Heidegger. Les Allemands s'intéressent à l'affectation. C'est l'une de leurs caractéristiques les plus marquantes. Quant aux Autrichiens, sur tous ces points, ils sont encore bien pires. J'ai vu une série de photographies qu'une photographe de très grand talent a fait de Heidegger, qui a toujours eu l'air d'un officier d'état-major bedonnant à la retraite. Et je vous montrerai ça un jour. Sur ces photographies, Heidegger se lève de son lit, Heidegger se recouche dans son lit, Heidegger dort, il s'éveille, il met son caleçon, il enfile ses mi-bas de la forêt noire, il boit une gorgée de vin nouveau, il sort de son blockhouse et contemple l'horizon, il taille son bâton de la forêt noire, il met son bonnet de la forêt noire, il ôte son bonnet, il tient son bonnet dans ses mains, il écarte ses jambes, il lève la tête, il baisse la tête, il met sa main droite dans la main gauche de sa femme met sa main gauche dans sa droite à lui, il marche devant la maison, il marche derrière la maison, il se dirige vers sa maison, il s'éloigne de sa maison, il lit, il mange, il trempe sa cuillère dans sa soupe, il se coupe une tranche de pain cuit par lui-même, il ouvre un livre écrit par lui-même, il ferme un livre écrit par lui-même, il se baisse, il s'étire, et ainsi de suite, a dit Heidegger. C'est à vomir. Si déjà les Wagneriens ne sont pas supportables, que dire des Heideggeriens, a dit Heidegger. Mais naturellement, Heidegger n'est pas comparable à Wagner, qui lui était effectivement une sorte de génie, à qui la notion de génie pourrait s'appliquer effectivement plus qu'à quelqu'un d'autre. Alors que Heidegger n'a tout de même été qu'un petit suiveur philosophique de deuxième ordre. Heidegger a été, c'est clair, le philosophe allemand le plus choyé de ce siècle, et en même temps, le plus largement insignifiant. Allez en pèlerinage chez Heidegger, surtout ceux qui confondent la philosophie avec l'art culinaire, qui prennent la philosophie pour un plat cuisiné, un rôti, un bouilli, ce qui correspond tout à fait au goût allemand. Heidegger tenait sa cour à Tottenhautberg et sur son piédestal philosophique de la forêt noire se laissait admirer à tout moment comme une vache sacrée. Même un directeur de journal d'Allemagne du Nord, célèbre et redouté, s'est dévotement agenouillé devant lui, la bouche ouverte comme si au soleil couchant. Il attendait en quelque sorte de ce Heidegger assis sur son banc devant sa maison, l'hostie spirituelle. Tous ces gens sont allés en pèlerinage chez Heidegger à Tottenhautberg et se sont ridiculisés, a dit Heidegger.
Ils sont en quelque sorte allés en pèlerinage dans la forêt noire philosophique et sur la montagne sacrée Heidegger, et se sont agenouillés devant leur idole. Que leur idole était un zéro sur le plan de l'esprit. Dans leur stupidité, ils ne pouvaient même pas le savoir. Ils s'en doutaient même pas, a dit Heidegger. Mais la période Heidegger est tout de même instructive, comme exemple du culte des Allemands pour les philosophes. C'est toujours au faux qu'ils s'accrochent, a dit Heidegger, à ceux qui leur correspondent, aux plus stupides et aux plus douteux. Ah là là, ça fait du bien. Oui, que Heidegger soit un parfait charlatan, ça ne fait absolument aucun doute pour moi. Mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, qui est de vous lire des récits. Dans l'espoir de vous amuser un petit peu. Ah, c'est ça, Heidegger, ce ridicule petit bourgeois national-socialiste en culotte de golf. C'est tout à fait ça. Et ça n'est rien d'autre que ça, ni plus, ni moins. C'était jouissif, oui, c'est assez jouissif. Même si c'est un scandale de mauvaise foi, c'est tout à fait jouissif et nécessaire! Alors, qu'est-ce que je vais vous lire par la suite? J'ai que l'embarras du choix, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, là, il y a des petites piles qui sont là. Qu'est-ce que je vais vous lire? J'ai parents, peut-être un peu de poésie, ça vous ferait plaisir, peut-être un peu de poésie pour changer? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire comme poésie? J'en ai pas amené tant que ça. J'ai L'os dans le nez, de Hormery. J'ai Pierre, de Caillois. Ah, j'ai du Parent, Jean-Luc Parent. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça demande un grand verre, parce qu'il faut beaucoup boire pour lire du Parent. Je vais vous lire un extrait de celui-ci. Les yeux... 103, 125. Tu vas te faire un petit caillou. Très très drôle, cela. Jean-Luc Parent, ça peut être pas mal. Alors, je vous en ai déjà lu un peu. Alors, vous pouvez avoir un certain sentiment d'unité dans le travail de Parent, mais pas tant que ça, en fait. Quand on en lit vraiment beaucoup... On se rend compte que sous l'apparente homogénéité générale du livre, qui laisse parfois l'impression qu'il y a une certaine répétition, en fait, il n'en est rien. Il n'est vraiment qu'apparent chez Parent. Alors, je vais vous lire le chapitre « Hymne à la terre et au ciel ». Si j'ai un peu d'énergie, je vous en lirai un autre passage qui était très troublant. Qui est complètement allitératif et incantatoire. Enfin, c'est toujours un caractère incantatoire apparent. Qui n'est pas apparent, qui est réel. On pourrait essayer ça. Je ne vous le ferai pas en entier parce qu'il est long et un peu effrayant, mais... Ah, Marc, c'est tentant. Je mets le marque-page et je verrai si j'ai l'énergie. Ou alors, on pourra le lire plus tard. Salut, June Oumph. Comment vas-tu, June? D'ailleurs... On en June ou Youn? Comment on fait? Dis-moi. Et peut-être que IMPF ne se lit pas IMF, mais autrement, peut-être que c'est l'acronyme de quelque chose. Hymne à la terre et au ciel. Vite, un grand verre de Bissap. On y va. J'ai peut-être changé de lunettes, ce qui ne me permettra pas de lire le chat pendant un instant, mais comme c'est écrit très petit, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi un corps aussi petit pour ce truc. Ouais, c'est ça, je ne peux plus lire le chat si je fais ça. Et alors, est-ce que si je le rapproche sur l'autre écran, je peux le lire quand même avec ces lunettes-là? Elles sont parfaites pour la lecture, mais pour le reste, c'est un peu compliqué. Non, je ne peux pas. Donc, soyez sages. C'est une déformation de Jean-Yves, ton prénom, d'accord. Très bien, Jean-Yves. Ça fait un peu prénom de vieux, mais moi-même, je m'appelle Laurent, tu sais. C'est un prénom de vieux. J'y vais.
Et la nuit, je suis très près de la terre parce que je ne la vois pas, parce que je suis devant l'obscurité totale, parce que je suis dans la lumière éblouissante comme si la nuit sur la terre. Je faisais un pas en avant dans la lumière éblouissante et le jour, je suis près de la terre parce que je la vois, parce que je suis devant la lumière, parce que je suis dans la lumière. Comme si le jour sur la terre, je faisais un pas en arrière, en avant de l'obscurité totale. Et la nuit, je suis si loin du ciel parce que je le vois, parce que je suis devant la lumière, parce que je suis dans la lumière. Comme si la nuit dans le ciel, je faisais un autre pas en arrière, en avant de l'obscurité totale. Et le jour, je suis très loin du ciel, parce que je ne le vois pas, parce que je suis devant la lumière éblouissante, parce que je suis dans l'obscurité totale, comme si le jour dans le ciel, je faisais encore un autre pas en arrière dans l'obscurité totale, et comme si pour aller de la lumière éblouissante à l'obscurité totale, du début à la fin de l'univers, d'avant en arrière, et comme si pour faire le tour de l'univers, il fallait tourner autour de la terre, de la nuit, et de la terre du jour, et du ciel de la nuit, et du ciel du jour, et comme si pour accomplir une journée entière dans le sens de l'univers, il fallait d'abord passer par la terre de la nuit, puis par la terre du jour, puis par le ciel de la nuit et par le ciel du jour. Et comme si avant de voir la terre du jour, il fallait avoir déjà vu la terre de la nuit. Et comme si avant de voir le ciel du jour, il fallait avoir déjà vu le ciel de la nuit. Et comme si avant d'être sur la terre du jour, j'étais déjà passé par celle de la nuit. Et comme si avant d'être dans le ciel du jour, j'étais déjà passé par celui de la nuit. Et comme si la première fois que j'ai vu la terre, il faisait nuit, et comme si la première fois que j'ai vu le ciel, il faisait nuit, et comme si pour aller de la terre éblouissante, de la lumière éblouissante à l'obscurité totale, il fallait passer par la terre de la nuit, très près, lumière éblouissante, et par la terre du jour, près, lumière, et par le ciel de la nuit, loin, lumière, et par le ciel du jour, très loin, obscurité totale. Et comme si sur la terre, j'allais toujours de la lumière éblouissante à la lumière, de la lumière à la lumière éblouissante, et comme si dans le ciel, j'allais toujours de l'obscurité totale à la lumière et de la lumière à l'obscurité totale, et comme si les pas de mes yeux sur la terre entre la nuit et le jour reculaient vers l'obscurité totale, et comme si les pas de mes yeux sur la terre entre le jour et la nuit avançaient vers la lumière éblouissante, et comme si les pas de mes yeux dans le ciel entre la nuit et le jour reculaient vers l'obscurité totale, et comme si les pas de mes yeux dans le ciel entre le jour et la nuit avançaient vers la lumière éblouissante, et comme si la nuit sur la terre et dans le ciel mes yeux reculaient vers l'obscurité totale et vers le jour, et comme si le jour sur la terre et dans le ciel mes yeux avançaient vers la lumière éblouissante et vers la nuit. Et comme si entre la lumière de la terre du jour et la lumière du ciel de la nuit, je franchissais le pas de l'obscurité totale, et comme si entre la lumière du ciel de la nuit et la lumière de la terre du jour, je franchissais le pas de la lumière éblouissante. Et comme si entre la terre de la nuit et le ciel de la nuit, je faisais un bond de la lumière éblouissante à la lumière, je passais en arrière par-dessus la terre du jour vers l'obscurité totale. Et comme si entre le ciel de la nuit et la terre de la nuit, je faisais un bond de la lumière éblouissante, je passais en avant par-dessus la terre du jour et dans la lumière éblouissante. Et comme si entre la terre du jour et le ciel du jour, je faisais un bond de la lumière à l'obscurité totale, je passais en arrière par-dessous le ciel de la nuit dans l'obscurité totale. Et comme si entre le ciel du jour et la terre du jour, je faisais un bond de l'obscurité totale à la lumière, je passais en avant par-dessous le ciel de la nuit vers la lumière éblouissante. Et comme si la nuit, quand je dirige mes yeux de la terre au ciel, je recule d'un bond vers l'obscurité totale, et le jour, dans l'obscurité totale, et comme si la nuit, quand je dirige mes yeux du ciel à la terre, j'avance d'un bond dans la lumière éblouissante. Et le jour vers la lumière éblouissante, et comme si la nuit, quand j'ouvre les yeux et que je regarde de la terre au ciel, je passe en arrière par-dessus la terre du jour vers l'obscurité totale, vers le ciel du jour. Et comme si la nuit, quand j'ouvre les yeux, que je regarde du ciel à la terre, je passe en avant par-dessus la terre du jour dans la lumière éblouissante. Et comme si le jour, quand j'ouvre les yeux et que je regarde de la terre au ciel, je passe en arrière par-dessous le ciel de la nuit dans l'obscurité totale. Et comme si le jour, quand j'ouvre les yeux, que je regarde du ciel à la terre, je passe en avant par-dessous le ciel de la nuit vers la lumière éblouissante, vers la terre de la nuit. Et comme si entre la terre de la nuit et la terre du jour, je ne faisais qu'un pas de la lumière éblouissante à la lumière vers l'obscurité totale. Et comme si entre la terre du jour et la terre de la nuit, je ne faisais qu'un pas de la lumière à la lumière éblouissante, dans la lumière éblouissante. Et comme si entre le ciel de la nuit et le ciel du jour, je ne faisais qu'un pas de la lumière à l'obscurité totale, dans l'obscurité totale. Et comme si entre le ciel du jour et le ciel de la nuit, je ne faisais qu'un pas de l'obscurité totale à la lumière, vers la lumière éblouissante.
Et comme si, quand je dirige mes yeux de la terre à la terre de la nuit, au jour, je recule d'un pas vers l'obscurité totale, et du ciel au ciel dans l'obscurité totale. Et comme si, quand je dirige mes yeux de la terre du jour à la nuit, j'avance d'un pas dans la lumière éblouissante, et du ciel au ciel vers la lumière éblouissante. Et comme si, quand j'ouvre les yeux, que je regarde de la terre de la nuit au jour, je passe sans y voir en arrière par-dessous le ciel de la nuit, et par-dessous le ciel du jour, et vers l'obscurité totale. Et comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde de la terre du jour à la nuit, je passe sans y voir en avant par-dessous le ciel du jour et par-dessous le ciel de la nuit dans la lumière éblouissante. Et comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde du ciel au ciel de la nuit au jour, je passe sans y voir en arrière par-dessus la terre de la nuit et par-dessus la terre du jour dans l'obscurité totale. Et comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde du ciel au ciel du jour à la nuit, je passe sans y voir en avant par-dessus la terre du jour et par-dessus la terre de la nuit vers la lumière éblouissante. Et comme si, entre la terre de la nuit et le ciel du jour, je faisais un bond immense de la lumière éblouissante à l'obscurité totale. Je passais en arrière, par-dessus la terre du jour et par-dessous le ciel de la nuit dans l'obscurité totale. Et comme si, entre le ciel du jour et la terre de la nuit, je faisais un bond immense de l'obscurité totale à la lumière éblouissante. Je passais en avant, par-dessous le ciel de la nuit et par-dessus la terre du jour dans la lumière éblouissante. Et comme si, entre la terre du jour et le ciel de la nuit, je ne faisais qu'un pas de la lumière à la lumière dans l'obscurité totale. Et comme si, entre le ciel de la nuit et la terre du jour, je ne faisais qu'un pas dans la lumière vers la lumière éblouissante. Et comme si, quand je dirige mes yeux de la terre au ciel, de la nuit au jour, je recule d'un bond immense dans l'obscurité totale. Et du jour à la nuit, je recule d'un pas vers l'obscurité totale. Et comme si, quand je dirige mes yeux du ciel à la terre du jour, à la nuit, j'avance d'un bond immense dans la lumière éblouissante. Et de la nuit au jour, j'avance d'un pas vers la lumière éblouissante. Comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde de la terre au ciel, de la nuit au jour, je passe en arrière par-dessus la terre du jour et par-dessous le ciel de la nuit, dans l'obscurité totale. Et comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde de la terre au ciel du jour à la nuit, je passe en arrière, sans y voir, par-dessous le ciel du jour et par-dessus la terre de la nuit, vers l'obscurité totale, vers le ciel du jour. Et comme si, quand j'ouvre les yeux, que je regarde du ciel à la terre du jour à la nuit, je passe en avant par-dessous le ciel de la nuit et par-dessus la terre du jour, dans la lumière éblouissante. Et comme si, quand j'ouvre les yeux et que je regarde du ciel à la terre de la nuit au jour, je passe en avant sans y voir par-dessus la terre de la nuit et par-dessous le ciel du jour vers la lumière éblouissante, vers la terre de la nuit. Et comme si, quand j'avais les yeux ouverts, je ne voyais pas mes yeux parce que j'étais très loin de mes yeux et mes yeux très loin de moi. Et comme si, quand j'avais les yeux fermés, je ne voyais pas mes yeux parce que j'étais très près de mes yeux et mes yeux très près de moi. Et comme si j'étais autant ébloui par mes yeux, les yeux ouverts, que les yeux fermés. Et comme si, les yeux ouverts, j'étais devant mes yeux éblouis d'obscurité. Et comme si, les yeux fermés, j'étais devant mes yeux éblouis de lumière. Et comme si, pour voir mes yeux, il fallait que mes yeux soient très loin de mes yeux, très près, et que mes yeux soient ouverts devant mes yeux fermés, ou que mes yeux soient très près de mes yeux très loin, ou que mes yeux soient fermés devant mes yeux ouverts. Et voilà. Ah, vous en profitez pour raconter des blagues à la con. Tu dirais que Jean-Yves est un prénom de scout mort. D'accord. Tu vois ça comme ça. Alors, qu'ai-je fait de mon briquet, moi? Parce qu'évidemment, mon cigare ne pouvait que s'éteindre pendant la lecture de Jean-Luc Parent. Alors, c'est ce texte-là qui me semble avoir déjà entendu. C'est pas le même texte. Celui-là, j'ai jamais donné en public, mais les textes de Parent ont souvent un air de familiarité, tu sais. Ça dure comme ça sur des centaines et des centaines de pages. La difficulté à lire vient beaucoup du fait que les caractères sont tout petits et qu'il n'y a pas du tout de ponctuation, de saut de ligne, de quoi que ce soit. Donc, ça rend les choses très compliquées. Le texte que je viens de vous lire, en fait, il se présente comme ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué, forcément. Voilà. Bon, bah, je le mets de côté parce que je vous en lirai peut-être tout à l'heure. Allez, on va passer à quelque chose de plus romanesque, si vous voulez. Ça vous dit? Un peu de Mademoiselle de Biche, de Emmanuel Tuny. Salut Narcisse, bah, tu arrives pile entre deux lectures.
Pourquoi bonjour Spirou? Dis-moi tout. Ah, tu parles de ce petit chapeau. Ça te fait penser à ça. Ça, c'est marrant. Eh, j'avais pas fait gaffe, c'est vrai, je suis habillé en rouge hein, et j'ai ce petit machin sur la tête. Étonnant. Ah ben non, je ne vois plus que ça. Allez, on y va. Je vais vous lire un extrait donc d'un roman de Emmanuel Tunis, qui est un romancier contemporain qui a écrit une petite dizaine de romans. Salut, vous Flamkit. Mais pas avec un grand succès. Il passe assez inaperçu. Alors que certains de ses bouquins sont assez magistraux. Mais c'est comme ça. Il a publié essentiellement à la Part Commune à un certain moment, maison d'édition qui a disparu, qui était une maison d'édition rennaise, pas mal. À l'époque où ça s'était publié, Mademoiselle de Biche, Emmanuel Tunis était encore à Rennes. Nous nous fréquentions un peu. Un type assez chouette, à la vie assez fascinante. Hein. Il a mené une vie de diplomate, d'ambassadeur. J'ai passé pas mal de temps en sa compagnie à l'époque où il était encore diplomate à Venise. Donc c'était un moment assez drôle, complètement déréalisant. Et donc ses romans sont actuellement republiés, je crois, par ses propres soins ou une amie. Je crois qu'il y a un bouquin aussi qui a été publié par Laure Limongi, mais je suis plus sûr. En tout cas, si vous tombez sur des romans d'Emmanuel Tunis, je vous encourage à y foutre le nez. Il y a un dialogue que j'aime beaucoup de lui, c'est con, j'ai pas pris ça. Ça aurait été pas mal de vous lire ça. Je viens d'y penser, je sais plus dans quel bouquin c'est. Je crois que c'est dans un des derniers. Ah, j'essaierai de vous chercher ça pendant ma pause pipi. Parce que les toilettes sont juste à côté d'une des bibliothèques. Et je crois que c'est pas loin de la lettre T pour Tunis. On va y aller. L'œuvre de Schmurtz est une porte ouverte sur le monde, mais d'un monde devenu intérieur. Elle est la porte ouverte sur le jardin de l'homme que cultivait Candide ou le passeur de poèmes. J'achève en disant que les œuvres présentées ici n'ont pas encore été le moins du monde, que c'est une collection qui n'a d'unique en son genre que son équivalent dans le monde, que nous la devons à la sympathique donation de nos amis russes que vous avez ici présents, qui les avaient préservés, les tableaux, depuis 50 ans, date de leur envoi en Russie pour en soutenir la cause par l'artiste, merci, grâce leur soit rendue, de la rapacité de nos marchands globaux. Bon voyage dans le cœur de le génie humain, pardon d'être long et merci de la délicate intention qui vous a conduit au bout de mon exposé. Je lève ma flûte à l'amitié. À l'exposition Schmurtz se succédera, en ce lieu même, le mois prochain, une exposition pareille des œuvres de Schmertz, oubliées dans les mêmes conditions d'histoire, comme quoi, on dit l'histoire, elle n'est pas morte avant de l'avoir enterrée. J'espère vous avoir aussi nombreux là. Bonsoir. Alors, on applaudit, tout le monde applaudit. Fatim Charopi, cet humble découvreur, dont l'importance théorique des travaux n'était plus à démontrer non plus que l'adresse à la course. La grosse dame tonitruait que ça avait été bon et fouillait avec son nez dans le col outrageusement ouvert sur la promesse d'une plastique de père du camp qui renchérissait, canaille. Fatim fit en compagnie des autorités municipales le tour de l'exposition, passant régulièrement son doigt sur les monochromes parmes de Schmurtz, les grattant même un peu partout pour qu'ils exhalassent de la colle chic un peu partout. Toucher, ça c'est la vraie, de la bonne, de la pure peinture. Ça a tout à fait à voir avec le bon dans Horace. C'est presque moral, je veux dire, quand ça en arrive là, assurait-il à ce qui, derrière l'édilité, eût été susceptible de lui répondre, n'eût été l'épaisse pesanteur de la sangria et le velours graveleux de la cacahuète, bien profond dans les anatomies, qui, déjà, ne répondait plus complètement à l'appel apollinien. C'était bien davantage une façon de paso. La mairesse fichait son angle le plus nerveux dans le creux du dos de l'adjoint, à dix peu qui remerciait « Merci, merci ma loute », en rotant un peu de côté, comme font tous les adjoints. « Ne me remerciez pas, Eddie, j'ai moi-même plus que bien ma tête », riait absurdement Madame le maire, que Charopi assommait de surcroît avec la netteté rhodienne de sa syntaxe et les redoutables méandres de sa très très ancienne exhaustive culture encyclopédique et sans faille. Fatim, entre nous, c'est que du violet. Du Parme, Geneviève, du Parme, vous y êtes pas du tout. Fatim, entre nous, du Parme, si tu veux, on s'en fout. En l'occurrence, pardon, c'est des détails pour les intellectuels que moi je ne suis pas. Faut respecter un peu le type moyen comme moi. Quoique mairesse qui n'y entend goutte à tout cela, il faut respecter. Fatim, entre nous, c'est jamais que du mauve. Du Parme, Geneviève, j'insiste, du Parme. Si on veut, oui, si on veut. Moi je veux bien, je suis pas contrariante. Contrairement à ce que suggère mon prédécesseur dans la tribune municipale, qui, entre nous, mon cher Fatim, est un odieux torchon à quoi j'accorderai jamais
l'importance qu'il mérite. Je n'accorderai jamais rien. La caravane passe, comme dit le prophète. Entre nous, mon cher Fatim, c'est jamais cette histoire que du mauve passé. D'ailleurs, un peu sommairement, du mauve passé sur de la toile, on peut pas facilement concevoir que ça vaille le prix que vous dites. Oh, mais moi, j'ai rien dit du tout, Geneviève. On peut pas se poser devant ça la question de l'imposture. Au fond, passez-moi l'excrétion, j'en fais autant, quand je veux, si je veux, autant. Un enfant de 10 ans, soi-même, en fait autant. Mon fils, par exemple, dessine infiniment mieux. Notez que je n'omets pas l'aspect opportuniste de l'affaire. Si des gens comme moi, Geneviève, ayez le courage de le dire, ce courage qui n'a pas été le vôtre en matière de politique du logement, si j'en crois ce que signale justement votre prédécesseur dans la tribune municipale, si des gens trouvent concevable de dépenser tant d'argent possiblement productif par ailleurs, dans ce qu'il faut bien appeler du violet sur une nappe, je ne peux pas y voir d'inconvénient, car entendons-nous, quoique de gauche, je suis convaincu que tout est question de marché. Il y a belle lurette que j'ai jeté au feu les oripeaux de notre commune aspiration à l'économie administrée. Quoi qu'en pense la tribune, je ne vous félicite pas d'avoir de cette lecture, Geneviève, pardonnez-moi, je ne peux pas croire, quant à moi, que vous me jetiez à la face la méconnaissance qui serait la vôtre de la perspective, qui est celle de l'art depuis la Renaissance. Au nom de ces enfants que nous projetons d'avoir, permettez-moi de m'en remettre plutôt à monsieur l'adjoint dont les enfants suivent assidûment les cours de dessin dispensés dans notre maison et qui ont conçu avec leurs camarades un très gentil panneau sur les droits de l'homme et du citoyen. Allons, Eddy. Allons, tranchez, Eddy. Tranchons, je vous prie. Je crains d'être malade, plus à Eddy qui fit... Perdicant, dans le fond de la salle, présentait la grosse dame à deux amis égrillards, sensiblement idéptiques, très manifestement dotés, physiquement entraînés, vigoureux, de l'épaule et de l'accent, que Biche jugea à brûle-pourpoint, quoique en toute connaissance de cause, russe sans faute. Perdicant connaissait sans doute comme des cochons ces deux colosses d'amis pareillement coiffés et habillés, le cheveu laqué et la cravate en brosse. Des durs, en somme, qui embrassèrent simultanément la grosse dame en hennissant rauque et russe, pas d'erreur. Sous leurs mains rigoureuses, la grosse dame ne fut bientôt qu'une minuscule pelote, qu'un volume de pâte très réduit qu'ils écrasèrent contre le mur ou qu'ils ingérèrent. La discrétion dont ils firent montre ne permit pas à Biche d'aller bien au-delà de la conjecture, quoi qu'il s'en fût, comme on le sait de beaucoup, ne lui fut pas favorable. Piotr et Fietre, Biche assurerait des années plus tard qu'elle avait distinctement entendu Perdicant les appeler Piotr et Fietre, à qui le lui reprocherait. Elle protesterait de l'urgence de sa mission ou dirait écrotte, c'est selon, cet aveu serait comme un silence. Piotr et Fietre, qui eussent pu être des frères, car il ne fut pas jusqu'à la main qu'ils collèrent familier sur l'épaule de Perdicant pour aller faire un tour, qui ne les réunit dans le pareil et disparurent bientôt dans un coin avec Perdicant. Biche vit disparaître Perdicant avec les deux géants. L'un d'eux balança sans se retourner dans la galerie qu'il quittait la pastille de grosse dame dont il avait peut-être tiré tout le suc. Biche, que l'on interrogerait plus tard sur cette question, répondrait qu'au juste elle savait pas, excipant de l'urgence de sa mission, ou dirait crotte et cet aveu ferait comme une rumeur. Biche suivit les trois hommes dans des ruelles que le mystère et tout rendait sombre, y collant ce qu'il fallait de chats, d'imperméables et de feutres, de jeunes égarés, de gymniques matadors, de larges automobiles, jets, de bisons et de pianistes. Par bribes, elle entendait distinctement, ça et là, l'ensemble des pans et des conversations. « Du bon travail, petit père, grand-mère, à ta santé. Paix dans le monde, du bon travail, reconstruction, on est content, vite, bien. Où va le renard? Le renard va vers le pain. Que fait le renard? Le renard regarde l'étoile. Je suis, tu es, ils ont, elle est. Du bon travail, petit père, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Oleg. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Oleg. Où habite-t-il? À Moscou. Où habitons-nous? Nous habitons Moscou. Où va le renard? Du bon travail, garçon. La paysanne regarde le regard. Fatim Charopi a acheté le loup transparent sous vie Oleg. Oleg vit à Moscou. Oleg et Irina vivent à Moscou. Fatim Charopi a acheté le loup Schmurtz. Quand lance-t-on Schmerz? Ce sera près quand? J'ai pris un peu de retard, la fille, Biche entendit Armel, ami elle, et un duisig Armel, ami elle, travaillait pour Perdicant, qui travaillait pour Piotr et Fietre, bravo ma fille, s'auto-congratula. Ma fille, pour l'instant, ça va, je veux dire, tu assures, la fille travaille lentement, mais Schmerz sera prêt à temps. La fille, c'est donc Armel, ami elle, pas d'erreur, je me bluffe des fois, alors ça va, j'habite dans le monde, mon pays est le monde, paix dans le monde, à ta santé. Ils vivent à Moscou, ils sont étudiants à l'université, ils appellent l'université « Université de la paix ». Où va le renard? Mais grand Dieu, il va à l'université. À quelle heure la vente ce soir? Demanda Perdicant. À ta santé, petit père. Ils ont 18h. Où va l'étoile? Je vais, tu vas. Ils ont, elle va. Portez-vous bien, porte-toi bien. Perdicant prit seul la direction du boulevard. Devant l'écran, Perdicant interrompit un court instant l'action pour piocher dans les cigarettes qu'avait abandonnées sa mère, douce, sur la table de nuit.
tu fumes toi maintenant, ricana la souris. Oui, je fume, oui. Tu es presque un voyou, Gigi, alors. C'est cette fille et cette histoire. En théorie, je devrais pas me sentir obligé de répondre à tes provocations. Mais dois-je te rappeler que les histoires sont ce par quoi, comme disent les annales, on se connaît dans le temps. Tu as fait comme moi, de solides études. Bien, tu sais alors que je fume et que ma foi, eh ben, ça me regarde. C'était juste en passant, Gigi. Je vois pas d'inconvénient pour ma part à ce que tu fumes. Si tu vois pas d'inconvénient, poursuivons donc, conclut Perdican, qui souffleta la souris et récupéra Perdican à l'entrée du boulevard. À la salle des ventes! Perdican leva son poing, ganté d'hermine, et, jouant de la mobilité du Hobert, fit ses dents de la narine sa tête de preux. Perdican, fendit l'air avec son sabre et ajustant sa cartouchière, fit ses dents du mollet qu'il tendit sa tête plus que tout. Perdican s'engagea avec la sauvage agilité qu'il caractérisait dans le boulevard. Devant l'hôtel des ventes, l'huissier lui cracha au visage pour rire le contenu du bénitier. « Qui es-tu, toi, qui me juges » s'indigna-t-il, comme Perdican signifiait avec l'œil que ça ne convenait pas du tout. « Qui es-tu, toi, qui me juges ? Et qui d'ailleurs, sinon mon créateur, me jugera ? Qui saura, sinon lui, ce qu'est un homme en vérité, ce qui est juste et bon dans cette vallée de larmes où je t'emmerde et te compisse car c'est mon droit le plus strict au regard des textes qui sont assez précis sur ce point ? Qui saura ? Qui saura ? Qui saura ? Perdican reconnut les premières lignes du texte du pas du passeur et n'insista pas. Il s'agissait là, après tout, que d'une machine, ce qu'attestait, s'il en était besoin, l'humour désespéré dont l'huissier faisait bruyamment étalage. Pas moyen de raisonner avec une machine, pensa Perdican. La dérision seule. Il manque à ces gens-là la souplesse dont procède la gravité. Va, je ne te hais point. Le pas du passeur, monsieur, est connaisseur, rigola l'huissier, qui lui fit croc en jambe de surcroît. Comme je te plains, petit homme, car tu es à plaindre et à vapeur. Perdican n'entendait plus l'huissier, il progressa dans le hall, entra dans une salle, se posta dans le fond dans un coin où demeurait un peu d'air pour l'impression de fraîcheur, et observa le favorable du terrain, les bras croisés. Derrière un pupitre à armes, quartier, balance, le quignon érectile d'un pin de commissaire cognait pompier dessus. Dans son dos, Biche reconnut un nom non négligeable d'œuvre de Schmurz, dont le nom fameux nu à la fente qu'elle avait au reste croisé au musée dans sa course à l'armelle à miel dans la journée. Perdican avait la tête précisément des gens quand il triomphe. Il posa Martial sa botte sur un tertre et tira de son frac une paire de jumelles. En contrebas, la bataille faisait rage. De lourds bataillons se la donnaient ferme dans les sapins. Perdican reposa les jumelles sur sa cuisse et murmura à sa propre intention de « quant à soi qui béait comme un dur, l'anglais est à genoux, continuons le combat ». Collection particulière, Ombilikovna, cette œuvre majeure de l'artiste intitulée « Mes deux matins », huile mauve passée en hâte sur toile, technique mixte par association de farine sacrificielle, belle patine d'usage, veston d'origine, période allemande de l'artiste. Un enfant s'approchait qui voulait gratouiller, puis sentir un peu le tanin de l'affaire, sans doute mandaté en hâte par une richissime et calipige prestataire de service de la filiale déconcentrée d'un sous-traitant secondaire de l'agence de recrutement de la division du personnel de zone du principal, fournisseur de matériaux d'approvisionnement de la firme en appui logistique en communication au secteur mercatique de l'actionnaire à titre obligataire. Un enfant s'approcha, à quoi le commissaire, que ça faisait loucher comme un dieu d'Inde, écrasa le crâne au moyen de son maillet, entonnant « Vendu !» Dans sa mère, qui accompagnait sa dépouille vers une sortie pas hasardeuse, dans sa mère qui levait le poing dans d'arides imprécations contre le marché de l'art, l'incurie des pouvoirs publics en matière de soutien aux plasticiens émergents, contre le patrimonialisme général, la frilosité des esthétiques, cette coupable postmodernité, enfin, ouvre tes yeux, société, et marche, qu'elle rendait en de couleuvrines périodes, responsable de la tragique absence de pensée du moderne, de la mort dans le plein exercice de ses fonctions régaliennes, de son fils et plus particulièrement de la fin de l'histoire, qui selon toute vraisemblable, ne lui félicitait pas le sommeil, Biche reconnut, dans cette mère-là, à qui le jour serait propice, car ainsi va le jour, qu'il est propice, Biche reconnut, dans cette mère-là, et la mutité de sa douleur, la petite veuve en grège du quai de la gare dont elle avait congédié un peu salement le mari, cette petite veuve à l'imperméable grège. Biche eut la désagréable impression, dans le soleil couchant, qu'on ne pouvait pas manquer de deviner au dehors quand, anticipation, cyclothymie, cruauté, comme tout un chacun, on était saisi par cette aspiration des espaces qui fondent, à l'instar des raptus conceptuels, toute définition stable de l'objet homme, Biche eut la désagréable impression de ne plus être maîtresse de l'attention de sa mémoire. Elle se rappelait bien, Passim.
Un voyageur que poursuivait de son lointain sa femme en grège s'était levé dans son nu-pied. Elle plia le genou et donna dedans une pitchonnette avec l'index. « Je mourrai pour vous, biche », disait l'emporté, qui se cramponnait, violet, au talon, et puis qui se tut. Biche était lancée dans tout ça. Pas forcément à corte, elle était de la farine des chevaux de bois. Pas forcément encline au derrière, mais dynamique, sportive, tout de même autant que peu plastique. Elle faisait une bouche qui disait à peu près non, mais qui faisait bien. La bouli-bouche partout, comme il le fallait en ville. La dame en grège, le poing levé, vengeait du pied sous la mule de biche son mari en tas, sur le pavé. Elle se rappelait la fin de matinée, toute, mais éprouvait les pires difficultés à attribuer un ordre, un plan, une position à se souvenir. Il lui fut impossible de déterminer, par exemple, si Dato Fraucino, le cardinal Velasquez ou Léonce, avaient au juste fait le même rêve qu'elle, s'il n'avait pas été question qu'ils le fissent jamais, ou si de cette scène du quai de la gare, elle conservait précieusement la mémoire, au cas où. Le cardinal, de nouveau, passait justement par hasard dans la salle des ventes, un petit mouton sous le bras, perdu dans ses sandales et ses pensées. Elle jugea qu'il était grand temps de l'interroger, posa une question un peu au hasard, puis elle avait froid. Et puis Perdican, à couvert des frondaisons, du coin bucolique et non fumeur du fond de la salle, avait jeté en passant lui aussi son dévolu sur une nouvelle grosse dame que ses lunettes en écaille n'étouffaient pas. Pas davantage au demeurant ne l'étouffait la discrétion. Biche l'entendait tonitruer, les flammes de l'enfer du feu de Dieu. « Mais qui es-tu, Didi? Qui es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas lorsque tu vois que tout en moi est un grand appel qui n'en peut plus d'être seul, quoique dans une mer d'hommes qui m'indiffère à présent que tu es parti ?» Elle hurlait dans son dos qu'écraignait le cardinal. « Vous, ici, biche? Et moi qui vous pensais mouton ou brebis? Sot que j'étais, vraiment sot que j'étais. Et saurez-vous me dire, mignonne, de quoi je suis et où tous cela vont et qui croisent nos destins ?» La réponse du cardinal ne satisfait pas entièrement biche qui insiste, mais vivez comme chacun d'entre nous, ou bon leur semble exagérer un peu. Le cardinal fait un geste vague d'urbaine réprobation. Les hommes agissent, mon ami, comme les bêtes, en tant que les consécutions de leur perception ne se font que par le principe de la mémoire. Plus fort, garce, puisque c'est ta pente, hurla-t-il à l'adresse de la compagne de Perdican, qui décidément ne se ménageait pas la tessiture. Dis-moi-tu, cruel, tu m'as trop entendu. Les hommes agissent comme les bêtes, en tant que les consécutions de leur perception ne se font que par le principe de la mémoire. Ressemblant aux médecins empiriques qui ont une simple pratique sans théorie, et nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. Tout de même, tu nous charries un peu, Vévé, mais je sais bien que t'es une bonne peinte. Allez, au fond, allez. Par exemple, petite, quand on s'attend qu'il y aura jour demain, on agit en empirique parce que cela s'est toujours fait ainsi, jusqu'ici. Quand on s'attend qu'il y aura jour demain, pardon pour le mouton, pardon pour tout, pardon. Quand on s'attend qu'il y aura jour demain, c'est pas qu'on agit comme j'ai dit, ou je rêve. C'est pas comme il en est comme j'ai dit, peut-être, ou je veux en être pendu. Ou je rêve. Biche avait raison. « Bonjour biche, on est prête pour la petite babale jaune, on est prête pour la piquette, la gamelle, la déroute, la déconfiture. » Souvent une impression forte fait tout d'un coup l'effet d'une longue habitude ou de beaucoup de perceptions médiocres réitérées. Perdican fit sursauter biche sur le lit où elle s'était endormie sans le défaire. « J'ai rêvé de vous encore un coup, cousin. » Perdican fit sursauter biche dans un matin avec sa bonne tronche, des croissants, tartines, confiture au soleil. Et voilà. C'était donc Mademoiselle de Biche de Emmanuel Tuny. Publié aux éditions La Part Commune. Alors, jolie musicalité. Oui, un travail assez fascinant là-dessus, hein, dans les textes de Tuny, ce qui les rend assez simples à lire, en fait. Il y a un souci extrêmement précis, finalement, et de la rythmique, et des tonalités, qui fait, à mon sens, hein, un bon texte, c'est qu'il se réalise assez facilement. On sent qu'il l'a fait rouler longtemps dans sa bouche avant de le coucher sur le papier. On va passer à des choses plus classiques, si vous voulez. Des choses peut-être un peu moins tourbillonnantes. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'entendre un grand classique. Parce que j'en lis pas souvent, pas tant que ça, sur cette chaîne. Ce soir, j'ai dit que j'allais vous lire plein de grands classiques. Donc on va faire ça. Un petit Borges. Alors, je sais pas de vous le prononcer à l'espagnol. Borges, j'en suis absolument incapable.
J'ai pas fait une once d'espagnol, donc je vais dire Borges comme un vilain français que je suis. Je change momentanément de lunettes. Et on y va. Ah, tu aimes ça, June? Ah bah tant mieux alors. C'est un bouquin que j'aime vraiment beaucoup de Borges, qui est moins lu que L'Aleph ou Fiction. C'est Le rapport de Brody. Alors, il y a plein de livres latéraux que j'aime beaucoup. Son essai sur la littérature allemande du 14e est assez chouette. Il y a. Comment. Là, ses essais sur Dante, ses 9 essais sur Dante, que je trouve vraiment chouette. Il y a plein de petits textes qu'on lit moins et qui sont quand même assez réussis. Et le rapport de Brody, je vais choisir celui-là précisément parce qu'on le lit un petit peu moins. J'espère que ça va vous plaire. Je vais apprendre un peu à boire hein, parce que c'est bien joli tout ça, de lire des trucs, mais. Ça a soif. On y va. Le rapport de Brody. Dans un exemplaire du premier tome des Mille et une nuits de Lane, Londres, en 1839, que me procura mon cher ami Paulino Keynes, nous découvrîmes le manuscrit que je traduis ci-après en espagnol. La calligraphie soignée, art que les machines à écrire nous apprennent à oublier, laisse supposer qu'il fut écrit vers cette même époque. Lane prodigua, comme on sait, les longues notes explicatives, les marges abondent en addition, en points d'interrogation et parfois en correction, dont l'écriture est la même que celle du manuscrit. Il semble que le lecteur ait été moins intéressé par les prodigieux contes de Scheherazade que par les mœurs de l'islam. Sur David Brody, dont la signature ornée d'un paraphe figure en dernière page, je n'ai pu trouver aucun renseignement. Je sais seulement que c'était un missionnaire écossais, originaire d'Aberdeen, qui prêcha le christianisme au cœur de l'Afrique, puis dans certaines régions de la forêt brésilienne, contrée où avait dû le mener sa connaissance du portugais. J'ignore la date, j'ignore le lieu de sa mort. Le manuscrit, que je sache, n'a jamais été publié. Je traduirai fidèlement son rapport écrit dans un anglais incolore, sans me permettre d'autres coupures que celles de quelques versets de la Bible et celles d'un curieux passage sur les pratiques sexuelles des Yahoos que le bon presbytérien confia pudiquement au latin. Il manque la première page. Donc là, vous avez déjà une sorte d'annonce hein, par laquelle vous devez vous apprêter à entendre de multiples croisements avec Swift. De la région qu'infestent les hommes singes, Ape Men, habitent les Milch, que j'appellerai Yahoo, pour que mes lecteurs n'oublient pas leur nature bestiale et parce qu'une transposition littérale précise est presque impossible, étant donné l'absence de voyelles dans leur âpre langage. Les individus de la tribu ne dépassent pas, je crois, le nombre de 700, compte tenu des Nr, qui habitent plus au sud, dans le maquis. Le chiffre que j'ai avancé est hypothétique, vu que, à l'exception du roi, de la reine et des sorciers, les Yahoos dorment où la nuit les surprend. Ils n'ont pas de domicile fixe. La fièvre paludéenne et les incursions continuelles des hommes singes les déciment. Seuls quelques-uns d'entre eux portent un nom. Pour s'appeler, ils se lancent de la boue. J'ai même vu des Yahoos qui, pour attirer l'attention d'un ami, se jetaient et se roulaient par terre. Physiquement, ils ne diffèrent pas des crows. Sauf qu'ils ont le front plus bas et qu'un certain reflet cuivré atteignit leur négritude. Ils se nourrissent de fruits, de racines et de reptiles. Ils boivent du lait de chat et de chauve-souris et ils pêchent à la main. Ils se cachent pour manger ou bien ferment les yeux. Le reste, ils le font à la vue de tous comme les philosophes cyniques. Ils dévorent crus les cadavres des sorciers et des rois pour s'assimiler leurs vertus. Je leur reprochais cette coutume. Ils se touchèrent la bouche et le ventre pour m'indiquer sans doute que les morts aussi sont comestibles, ou, mais ceci est peut-être trop subtil, pour que je comprisse que tout ce que nous mangeons devient, à la longue, de la chair humaine. Dans leur guerre, ils se servent de pierres, dont ils font provision et d'imprécations magiques. Ils vivent nus, les arts du vêtement et du tatouage leur sont inconnus.
Un fait digne d'attention est que disposant d'un vaste plateau herbeux où il y a des sources d'eau pure et des arbres qui dispensent de l'ombre, ils aient choisi de s'entasser dans les bourbiers qui en bordent la base, comme s'ils trouvaient plaisir à s'exposer aux rigueurs du soleil équatorial et à baigner dans la saleté. Les pentes sont abruptes et pourraient constituer un rempart contre les hommes singes. Dans les hautes terres d'Écosse, les clans érigeaient leurs châteaux à la cime des collines. J'ai parlé de cette habitude aux sorciers, la leur proposant en exemple, mais tout fut inutile. Ils me laissèrent cependant construire une cabane sur le plateau, où l'air de la nuit est plus frais. La tribu est gouvernée par un roi dont le pouvoir est absolu, mais j'ai l'impression que ceux qui gouvernent véritablement sont les quatre sorciers, qui l'assistent et qui l'ont élu. Chaque enfant mâle qui naît est soumis à un minutieux examen. S'il présente certains signes, qui ne m'ont pas été révélés, hein, il est aussitôt élevé au rang de roi des Yahoo. Il est aussitôt mutilé, on lui brûle les yeux, on lui coupe les mains et les pieds pour que le contact avec le monde ne risque pas de le distraire de sa sagesse. Il vit confiné dans une caverne, dont le nom est Halkazar, où seuls ont droit de pénétrer les quatre sorciers et les deux esclaves qui s'occupent de lui et l'enduisent de fumier. Si une guerre vient à éclater, les sorciers le sortent de la caverne, l'exhibent aux yeux de la tribu pour stimuler son courage et le portent, hissé sur leurs épaules au plus fort du combat, en guise d'étendard ou de talisman. Presque toujours, en pareil cas, il est immédiatement tué par les pierres que lui lancent les hommes singes. Dans un autre Halkazar vit la reine, à qui il n'est pas permis de voir son roi. Celle-ci daigna me recevoir, pourtant. Elle était souriante, jeune, jolie, autant que lui permettait sa race. Des bracelets d'argent et d'ivoire, des colliers de dents ornaient sa nudité. Elle me regarda, me flaira, me toucha et finit par s'offrir à moi devant toutes ces dames d'honneur. Mon costume ecclésiastique et mes habitudes me firent décliner cet honneur, qu'elle accorde volontiers aux sorciers, aux chasseurs d'esclaves en général, les musulmans, dont les hordes, les caravanes, traversent le royaume. Elle m'enfonça à deux ou trois reprises une épingle d'or à l'intérieur de la chair. De telles piqûres sont les marques de la faveur royale, et bien des Yahous se font eux-mêmes des piqûres pour laisser croire que c'est la reine qui les leur a faites. Les ornements que j'ai énumérés plus haut viennent d'autres régions. Les Yahous les croient naturels, parce qu'ils sont incapables de fabriquer l'objet le plus simple. Pour la tribu, ma cahute était un arbre, bien que beaucoup m'aient vu la construire et m'aient apporté leur aide. Entre autres choses, j'avais une montre, un casque de liège, une boussole et une bible. Les Yahous regardaient tous ces objets, les soupesaient et voulaient savoir où je les avais trouvés. Ils saisissaient la plupart du temps mon couteau par sa lame, sans doute le voyaient-ils différemment. Je ne sais pas du tout ce qu'ils auraient pensé d'une chaise. Une maison de plusieurs pièces aurait constitué pour eux un labyrinthe, mais peut-être ne s'y seraient-ils pas perdus, tout comme un chat ne se perd pas bien qu'il puisse se la représenter. Ils étaient tous émerveillés par ma barbe qui était rousse alors, et ils la caressaient longuement. Ils sont insensibles à la douleur, au plaisir, en dehors de celui que leur procure la viande crue et avariée, et tout ce qui est fétide. Leur manque d'imagination les pousse souvent à être cruels. J'ai parlé de la reine et du roi. Je passe maintenant aux sorciers. J'ai dit qu'ils étaient quatre. Ce nombre est le plus grand que comprenne leur arithmétique. Ils s'y arrêtent. Ils comptent sur leurs doigts, 1, 2, 3, 4, beaucoup. L'infini commence donc au pouce. On m'assure qu'il en va de même chez les tribus qui rôdent aux alentours de Buenos Aires. Bien que le 4 soit le dernier chiffre dont ils disposent, les Arabes qui commercent avec eux ne les escroquent jamais, parce que dans leurs échanges, tout se divise par l'eau de 1, de 2, de 3 ou de 4, que chacun pose à côté de lui. Les opérations sont lentes, mais elles excluent l'erreur ou la tricherie. De toute la nation, les Yahous, seuls les sorciers, ont réellement éveillé mon intérêt. Le peuple leur attribue le pouvoir de changer en fourmi ou en tortue tout ce qu'ils le désirent. Un individu qui remarquait mon incrédulité me montra une fourmilière, comme si celle-ci constituait une preuve. Les Yahous manquent de mémoire, ou n'en ont qu'à peine. Ils parlent des ravages causés par une invasion de léopards, mais ils ne savent pas bien si c'est eux qui l'ont vu, ou leurs parents, ou même s'ils ne sont pas en train de raconter un rêve. Les sorciers, eux, ont de la mémoire, mais elle est très courte. Ils peuvent se souvenir le soir de ce qui s'est passé le matin, ou même la veille au soir. Ils ont aussi le don de prévoir l'avenir. Ils déclarent, par exemple, avec une assurance tranquille,
une mouche va me frôler la nuque ou nous n'allons pas tarder à entendre un cri d'oiseau. J'ai été témoin des centaines de fois de ce don curieux. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Nous savons que le passé, le présent et l'avenir existent dans leurs moindres détails, dans la mémoire prophétique de Dieu, dans son éternité. Ce qui est étrange, c'est que les hommes puissent regarder indéfiniment en arrière, mais pas en avant. Si j'ai un souvenir des plus nets de ce voilier de haut bord qui vint de Norvège alors que j'avais à peine 4 ans, pourquoi m'étonnerais-je que quelqu'un soit capable de prévoir ce qui est sur le point d'arriver ? Philosophiquement parlant, la mémoire n'est pas un prodige moindre que la divination du futur. La journée de demain est plus proche de nous que la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, dont pourtant nous prétendons nous souvenir. Il est interdit à la tribu de regarder les étoiles, ce privilège étant réservé aux sorciers. Chaque sorcier a un disciple qui l'initie dès l'enfance aux disciplines secrètes et qui, à sa mort, lui succède. Ils sont toujours ainsi au nombre de 4, nombre de caractères magiques puisqu'il est le dernier que peut atteindre l'esprit de ces hommes. Ils professent à leur façon la croyance à l'enfer et au ciel. L'un et l'autre sont souterrains. En enfer, qui est clair et qui est sec, séjournent les malades, les vieillards, les victimes, les hommes singes, les arabes et les léopards. Au ciel, qu'ils s'imaginaient marécageux et sombre, le roi, la reine, les sorciers, ceux qui sur terre ont été heureux, durs et sanguinaires. Ils vénèrent également un dieu dont le nom est Fumier, et qu'il se représente probablement semblable au roi. C'est un être mutilé, aveugle, rachitique, au pouvoir illimité. Il prend souvent la forme d'une fourmi ou d'une couleuvre. Après ce que je viens de dire, personne ne s'étonnera que je n'ai pu, durant tout mon séjour parmi eux, convertir un seul yaou. La phrase « Notre Père » les troublait, car ils ignorent le concept de paternité. Ils ne comprennent pas qu'un acte accompli 9 mois auparavant ait un rapport quelconque avec la naissance d'un enfant. Ils n'admettent pas une cause aussi lointaine et aussi invraisemblable. D'ailleurs, toutes les femmes font l'acte de chair, et elles ne sont pas toutes mères. Leur langue est très complexe. Elle ne ressemble à aucune de celles que je connais. On ne peut parler que de parties de discours, étant donné qu'il n'y a pas de discours. Chaque mot, monosyllabique, correspond à une idée générale qui se définit par le contexte et par la mimique. Le mot « unhers », par exemple, suggère l'idée de dispersion ou de tâche. Il peut signifier ciel étoilé, léopard, vol d'oiseau, variole, éclaboussure, éparpillement ou la fuite qui suit une défaite. « Hurl », par exemple, indique ce qui est serré ou ce qui est dense. Il peut signifier la tribu, un tronc d'arbre, une pierre, un tas de pierres, le fait de les empiler, la réunion des 4 sorciers, l'union charnelle, un bois. Prononcé d'une autre façon ou avec une autre expression, chaque mot peut vouloir dire le contraire. Ne soyons pas surpris outre mesure. Dans notre langue, le verbe to cleave veut dire fendre et adhérer. Bien entendu, il n'y a pas de discours ni même de membres de phrase. La puissance d'abstraction qu'exige une telle langue me fait penser que les Yahou, malgré leur barbarie apparente, ne sont pas une nation primitive, mais plutôt dégénérée. À l'appui de mon hypothèse, je citerai les inscriptions que j'ai découvertes au sommet du plateau et dont les caractères, qui ressemblent aux runes que gravaient nos ancêtres, ne peuvent plus être déchiffrés par la tribu. C'est comme si celle-ci avait oublié la langue écrite et qu'elle n'avait plus conservé que le langage oral. Les seules distractions de ces gens sont les combats de chats et les exécutions. On accuse quelqu'un d'avoir attenté à la pudeur de la reine. Il n'est besoin ni de déclaration de témoin, ni d'aveu, et le roi prononce sa sentence condamnatoire. Le malheureux endure des tortures que j'essaie aujourd'hui d'oublier, après quoi il est lapidé. La reine a le droit de lancer la première pierre et la dernière, qui est habituellement inutile. La foule loue son adresse, la beauté de son corps et l'acclame avec frénésie en lui lançant des roses et des ordures. La reine sourit sans un mot. Une autre coutume de la tribu concerne les poètes. Un homme a l'idée d'assembler 6 ou 7 mots, en général énigmatiques. Il ne peut se retenir de les clamer à grands cris, debout, au centre d'un cercle que forment, couchés par terre, les sorciers et les peuples. Si le poème n'intéresse pas, il ne se passe rien. Si les mots du poète émeuvent les auditeurs, tous s'écartent de lui en silence, sous le coup d'une horreur sacrée. Ils sentent qu'il a été effleuré par l'esprit. Personne ne lui parlera ni ne le regardera plus, pas même sa mère. Il n'est plus un homme, mais un dieu,
et n'importe qui peut alors le tuer. Le poète, s'il le peut, cherche refuge dans les déserts de sable du Nord. J'ai précédemment expliqué comment je parvins jusqu'au territoire des Yaou. Le lecteur se souviendra sans doute qu'ils m'encerclèrent, que je tirai en l'air un coup de fusil et qu'ils prirent la décharge pour une sorte de coup de tonnerre magique. Pour nourrir cette illusion, j'eus soin de circuler toujours sans armes. Un matin de printemps, à l'aube, nous fûmes soudain attaqués par les hommes singes. Je descendis de mes hauteurs en courant l'arme à la main et je tuai deux de ces animaux. Les autres s'enfuirent, épouvantés. Les balles, on le sait, sont invisibles. Pour la première fois de ma vie, j'entendis qu'on m'acclamait. Ce fut alors, je crois, que la reine me reçut. La mémoire des Yaou est faible. Je partis l'après-midi même. Mes aventures dans la forêt importent peu. Je finis par me trouver dans un village d'hommes noirs qui semblaient savoir labourer, semer, prier, et j'ai pu me faire comprendre d'eux en portugais. Un missionnaire catholique, le père Fernandez, m'hébergea dans sa cabane et me soigna jusqu'à ce que je fusse en état de poursuivre mon pénible voyage. Au début, j'éprouvais quelques dégoûts à le voir ouvrir la bouche sans vergogne pour y jeter des morceaux de nourriture. Moi, je me cachais derrière ma main où je détournais les yeux. Je m'y habituais au bout de quelques jours. Je me souviens avoir le plaisir de nos discussions de théologie. Je ne parviens pas à le ramener à la vraie foi de Jésus. J'écris ces lignes à Glasgow. J'ai relaté mon séjour parmi les Yaou, mais j'ai glissé sur son horreur fondamentale dont je ne suis pas encore complètement affranchi et qui hante toujours mon sommeil. Dans la rue, je me crois encore encerclé par eux. Les Yaou, je le sais bien, sont une nation barbare, peut-être la plus barbare de toutes, mais il serait injuste d'oublier certains traits chez eux qui les rachètent. Ils ont des institutions, un roi, ils manient une langue fondée sur des concepts génériques, ils croient, comme les Hébreux et les Grecs, en l'origine divine de la poésie, et devinent que l'âme survit à la mort du corps. Ils croient à l'existence de châtiments et de récompenses. Ils représentent en somme eux aussi la culture, comme nous la représentons nous-mêmes malgré tous nos péchés. Je ne me repens pas d'avoir combattu dans leur rang, contre les hommes singes. Nous avons le devoir de les sauver. J'espère que le gouvernement de Sa Majesté ne restera pas sourd à ce que ce rapport puisse lui permettre d'être suggéré. Et voilà. Salut Barnab. Quel étrange texte. Donc oui, pour ceux et celles qui ont lu Swift, vous ne pouvez pas vous empêcher évidemment de rapprocher ça des voyages de Gulliver. C'est assez transparent. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire de beau après tout ça? J'hésite encore. Pourquoi pas un petit peu de Burrow? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu du métro blanc. Ce serait pas mal ça, non? Je me resserre un petit coup à boire parce que je sens que ma gorge commence à être irritée, évidemment. Ce qui veut dire que la pause pipi ne sera pas tardée, hein, après les litres de bissap que je m'enfile. Le métro blanc de Burroughs. Pareil, je vous choisis un auteur copieusement lu, mais plutôt pour le festin nu ou les garçons sauvages. Donc c'est pour ça que la dernière fois, je vous avais lu des essais de Burroughs. Et qu'aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait du Métro Blanc, qui est selon moi son meilleur bouquin. Londres, 1959. Des chiens partout, klebs, renifleurs d'herbe indique, sont entraînés pour flairer le LSD, la cocaïne, l'héroïne, l'opium.
Chien médaillé à l'aéroport, flairant le touriste et ses bagages, des kleps dans les banques, reniflant votre chèque, foyant l'entrecuisse d'un vieillard au East India Club, ouvrant les sacs à main au Fortnum Fountain avec leurs dents dans la rue des flics avec des chiens, bloque un quartier quelconque, le quadrille, le citoyen doit rester debout avec son par-dessus tandis qu'un chien le renifle de la tête aux pieds, fouillant dans sa bouche, flairant son haleine et puis, de retour, dans son appartement gelé, coupure d'électricité et de gaz. Vous savez, une auxiliaire dans la pharmacie de la salle de bain qui veut savoir pourquoi vous possédez une canule. Ça appartient à ma grand-mère, dit-il, là. Ça m'est égal, même si vous appartenez au home office. Vous pouvez pas amener ce dégueulasse animal dans une maison musulmane convenable. Nous avons de bonnes raisons de croire que toutes les preuves sont détruites. Enlevez vos chaussures, hurla le colonel rugissant. Ils ôtèrent les cendres de son subsie pour faire des analyses et le pharmacien de garde a dit péremptoire. Je parle pour tous les gars du labo de médecine légale, les cendres, les ordures, les corbeilles à papier, les vêtements, les rideaux des tapis, les récipients sacs de poussière et l'eau prise dans les WC. Je dis que nous en avons marre de voir tout ça déposé ici. Nous avons des hangars entiers bourrés de cette merde et maintenant il nous faudra des années pour examiner tout ça. Le colonel Seton Smith détourna la police, il la dénonça et la brigade des stupéfiants pourrie par le juste virus américain qui vaut pas mieux que leur sale klebs de doulos renifleurs. Une foule furieuse prit d'assaut le home office en hurlant. Mort aux chiens! Mort aux indiques! À Hyde Park, six chiens furent arrachés à la laisse d'une auxiliaire aspergée d'essence et brûlés vifs devant une foule dense et réjouie. Des escadrons de démolition attaquèrent la machine américaine. En Amérique du Sud et latine, des éléments de guérilla et de violateurs firent appel aux partisans de toutes les nations pour s'unir et former une armée de libération. Nous avancerons sur la machine policière et nous la détruirons partout où elle existe. Nous détruirons tous leurs dossiers. Nous détruirons l'organe de la machine policière qui est représentée par la presse mondiale. Tous sortant d'un vieux film qui cède sous leurs doigts Silver Dollar Dan debout là dans le crépuscule bleu. Vous avez vu comme la chose drogue marche ? D'abord, ils sortent un produit sans valeur comme la benzédrine. Il n'existe aucune excuse médicale en ce qui concerne la benzédrine, dit le docteur Benway, péremptoire. Alors, il fabrique une dizaine de variations à partir de la formule et dépose la cargaison dans des camions faciles de s'en procurer au commencement. Rappelez-vous de ces vieux inhalateurs à Benny, une ordonnance pour 100 pilules renouvelées plusieurs fois et puis une fois répandues, elles sont consommées. Et des milliers d'autres veulent essayer. Clameurs dans la presse, des investigations sénatoriales. Et les États souverains rivalisent de conneries pour voter une loi plus que sévère, prétendant que c'est un crime et qu'il est illégal de posséder, transporter et vendre, ou user et d'obtenir par des moyens frauduleux des drogues ou de se réunir illégalement pour consommer nananana des stimulants comme suit. LSD, même traitement, immense entreprise pour la presse et la télé, n'importe qui appartenant au monde littéraire ou artistique, a fait un ou plusieurs voyages et tout ce qu'ils disent est de toute manière très emmerdant. Aussi, toutes les vedettes pop en prennent et c'est ensorcelant, nouveau, dangereux, c'est la chose à faire. Et les gosses veulent essayer, rappelez-vous de la bière Tango chez Cheese, au Speakeasy là-bas, sur Live Street, ivre, avant même de poser le verre. Eh bien, quelques bières aussi de Speak furent une aventure pour Eddie Bill. Pendant les 20 années, seulement les flics ne nous sautaient pas et disaient simplement de rentrer chez nous. Les jeunes gens entendent parler du LSD, quelque chose de neuf, et ils veulent faire un bon voyage. C'est tout ce que désirent les jeunes gens, du neuf et un bon voyage, une aventure. Puis le couperet de la loi s'abat sur le LSD, 2 ans sec, un morceau de sucre et une nouvelle Food and Drug Administration. Encore plus de cons, d'armes, encore plus de jeunes gens en tôle. Où finira cette escalade de l'hystérie? Si les flicards des stupes respectaient vraiment les lois en vigueur, presque toute la population serait emprisonnée avec une extension délirante du pouvoir policier et du personnel de surveillance. Quelques-unes de ces drogues sont dangereuses. Il est dommage que pour de nombreux jeunes, la première expérience soit faite avec les deux drogues les plus destructives, benzédrine et barbiturique mélangées, Purple Heart. Dépression horrible, angoisse crue, hallucination paranoïaque provoquée par la benzédrine n'ont aucun intérêt. La bagosse inutile n'est pas rare. C'est ainsi que les morphales d'amphétamines hantent les rues recherchant une victime à un auditoire. Qu'en prudant leurs amis ont verrouillé leurs portes. Pourquoi ne pas arrêter net cette horreur et interdire la fabrication de benzédrine? Il n'existe pas d'impératifs médicaux. On peut employer un stimulant plus sûr, la caféine. L'intoxication par les barbituriques présente un syndrome déplorable. Le véritable intoxiqué peut perdre jusqu'au contrôle de ses fonctions naturelles. Cependant, les barbituriques peuvent être prescrits en cas de convulsion ou comme sédatifs d'urgence. La fabrication des barbituriques devrait être réglementée pour se rapprocher des données médicales. C'est à contre-cœur que les médecins prescrivent le Nembutal aux femmes qui ne peuvent pas dormir dès que leur martini gin a cessé de les abrutir.
La sexualité se répand, elle traverse les frontières de nos états. Et ces piqûres de marijuana, mais c'est encore plus dangereux que la cocaïne. Ce que braillent des législateurs qui veulent pas regarder les choses en face. Ils sont incapables de saisir la réalité installée dans le brouillard, les faux renseignements de la presse à sensation, les bobards diffusés par les journaux les plus vulgaires et les plus mensongers. Par exemple, tenons compte des pays où les individus toute leur vie fument le cannabis ouvertement. Quels sont les crimes que nous pouvons attribuer à sa consommation? Difficile, n'est-ce pas, puisque tout le monde fume. Arrêté et accusé d'avoir volé un transistor, l'inculpé admet qu'il était sous l'influence du tabac. Dans ces pays, le taux de criminalité est de fait insignifiant, stable. Observez les fumeurs de kiff dans l'ensemble, ils tiennent bien rarement une bagarre éclatée dans un café où fument et l'alcool est proscrit. Existe-t-il une détérioration physiologique? Aucune raison de le croire quand des gens fument, vivent très longtemps en excellente santé. Y a-t-il une maladie quelconque attribuée à l'emploi du cannabis? Un docteur allemand m'a dit que le tabac cru, mélangé avec de la drogue, favorisait et aggravait la tuberculose. Comment se conduisent les gens qui fument? Comme d'habitude, peut-être un peu plus tranquille, réservé, rieur, aimable. Mais posons-nous les mêmes questions au sujet de l'alcool. Combien de crimes sont dus à la consommation d'alcool? Du verre brisé incrusté dans le visage, des coups de pied dans le ventre et il est mort par terre chez Clancy. Bolide, fracture du crâne. En Amérique, combien d'accidents de voiture causés par l'alcool, de bagarres d'ivrognes, de meurtres? Quel désastre mentaux! L'alcool endommage immédiatement le foie, les reins, l'estomac. Quelles sont les maladies dont il est responsable? Cirrhose du foie, ulcère, maladie des reins, l'alcoolisme, la psychose de Korsakov. Comment se conduisent les gens qui ont bu? Nom de Dieu, deviennent-ils si stupides, baveux, vulgaires et sentimentaux? Vomissent-ils? S'évanouissent-ils? Deviennent-ils bruyants, dégueulasses? Se répètent-ils? Deviennent-ils hargneux, dangereux? Ne provoquent-ils pas des inconnus inoffensifs? Et ne vous assomment-ils pas, vous frappant à mort? Oui. Oui. Sont-ils avilis par l'alcool? Oui. Alors pourquoi ne pas débrancher le magnétophone hystérique et regarder les choses en face? Puis, partant d'une base réelle, il faut décider que l'emploi de certaines drogues qui ne sont pas dangereuses et dans quelles circonstances il faudrait les prescrire. Si les docteurs anglais peuvent prescrire de l'héroïne et de la cocaïne, pourquoi ils n'ont pas le droit de prescrire du cannabis? D'aucuns prétendent qu'il est dangereux pour des gens sans expérience, mais c'est quand même l'hallucinogène le plus inoffensif et le plus sûr, à l'exception du cava-cava, consommé dans les mers du Sud. Et nous pourrions faire un fric fou en mettant du cava-cola en bouteille. LSD, mescaline, DMT, psilocybine. Banisteria caapi présente de sérieuses complications et des dangers plus importants que leurs apologistes évangélistes ne veulent l'admettre. Des états aigus de terreur ne sont pas rares et la mort fut quelquefois le résultat d'une dose pourtant normale de LSD. Un docteur à Londres est mort pour la science. Je me souviens que c'était dans le haut Putumayo, à Makoa. Si ma mémoire est bonne, j'étais malade depuis une semaine, forte fièvre et par hasard, j'ai appris qu'un homme originaire de la région, venait de Cali, avait voulu faire une expérience avec la vigne de l'âme, Banisteria caapi, que les Indiens nomment Yagé. Ce jeune botaniste était sérieux, il avait lu leur cas, il croyait en la télépathie. Bah, le brujo prépara sa dose de brujo, lui et son fils en avaient pris pendant 40 ans, et il en donna à l'infortuné voyageur. Un cri de douleur intolérable, il se précipita dans la jungle, mais si vite qu'il put aller, il ne fit pas 20 mètres. Peut-être le retrouvèrent-ils dans une petite clairière que ses convulsions créèrent, et le vieux brujo sirupeux et son fils imbécile restèrent là, regardant l'étranger s'agiter. « El señor de la ciudad, es muy malo. » Yo creo, il mourra bientôt. Il faut aller au commissariat. Disponemos de mucho tiempo. Les rêves sont bons ce soir. Rien ne fut entrepris contre le bourreau. Le citadin a eu ce qu'il méritait. Les yeux sirupeux qui se gluent sur vous comme des grosses mouches noires. Ce vieillard maléfique a vécu assez pour m'empoisonner quelques années plus tard. Pourtant, songeant au destin de mon prédécesseur, je m'étais équipé. 6 cachets de Nembutal, 20 cachets de codéine, prévoyance à laquelle je dois d'être en vie. Mais malgré tout, j'étais affalé devant la porte de la hutte du brujo, paralysé, pris dans un étau de douleur et de terreur. Cet imbécile penché au-dessus de moi et ricanant. « Mister se sent mal? Que lastima! Mister aimerait une gentille fille maintenant, sale coup, hein? Cocaïne, marijuana, morphine, très jeune garçon, vigne de l'âme, yagé, tu vois, tout ce que tu veux. Quand retourneras-tu chez toi enfin, mister ?» Oui, oui, une attitude négative envers les Américains, après tout ce que nous avons fait pour eux, hein, le progrès. La tolérance du brujo due à sa dose quotidienne le rend tout puissant, mais elle peut être mortelle pour un novice. Mettons le facteur tolérance de côté. Il y a une variance individuelle considérable en ce qui concerne ces drogues. Une bonne dose peut contenter un voyageur et devenir dangereuse chez un autre.
Je crois, à force d'observation, que l'emploi excessif du LSD peut provoquer des troubles mentaux, une certaine irresponsabilité. Et dans certains cas, les vieux voyageurs développent leurs ailes prosélytes pour entraîner tous leurs amis sans leur consentement. Le LSD est incolore, inodore, n'a aucun goût. Et ses branques posent un sérieux problème quand on leur rend visite. Par exemple, j'ai pris l'habitude d'emmener en réception ma propre bouteille de scotch et des tasses en carton, craignant toujours d'entreprendre un épouvantable voyage. Vis-à-vis de mon métabolisme, le LSD est un poison dangereux. La dose normale provoque chez moi de sévères symptômes d'intoxication. D'autres voyageurs chroniques se signalent par un comportement malsain, folie, bienveillance, par exemple souriant à tout le monde, claironnant qu'ils connaissent toutes leurs pensées, qu'ils les acceptent et qu'ils les aiment sans restriction. Ces drogues sont dangereuses, c'est évident, compte tenu de cette mentalité déplorable. Je propose qu'on crée des académies, où l'élargissement du champ conscientiel serait un fait. Les jeunes apprendraient à décoller, à se défoncer et à le rester. Je veux dire défoncer aussi haut que le maître zen quand sa flèche atteint la cible en plein centre dans le noir, aussi haut que le maître de karaté quand il brise une brique avec la tranche de la main, aussi haut que les mystiques chrétiens embarrassés par les lévitations, haut, banane, sans pesanteur, dans l'espace. C'est cela que les jeunes gens désirent. Nous sommes entrés dans l'ère spatiale. C'est le moment de voir et de regarder plus loin que par le petit bout de la lorgnette de cette planète détraquée radioactive pourrie par les flics. C'est le moment de regarder et voir plus loin que ce corps animal. Tout ce qui est obtenu chimiquement peut l'être autrement. Pour atteindre l'état de partance, nous n'avons pas besoin de drogue, mais les drogues peuvent accélérer et abréger l'entraînement. On commence par un cours préliminaire non chimique, comme le karaté, jujitsu, un sentiment, sensation prolongée de renonce, lumière stroboscopique, travail permanent des magnétophones et des caméras pour couper les vieilles lignes d'association. Pour apprendre précisément qui sont les gens entraînés, vigilance totale, quelques élèves pratiquent le saut en parachute, chute libre, le programme dans son ensemble est essentiellement une désintoxication de la peur et une indépendance intérieure totale vis-à-vis de la peur. Des académies qui prolongent la conscience de l'homme, des académies expérimentales qui prépareraient notre jeunesse à affronter les dangers inconnus de l'espace. Mais qui va payer pour tout ça? Le sénateur Bradley voulait savoir. Les bénéfices de l'entraînement justifieraient n'importe quelle dépense. L'entraînement préliminaire ou initiatique serait d'un minimum 2 ans. Durant cette période, l'élève doit s'abstenir de prendre des drogues, alcool, tabac compris. Nous constatons que nos élèves s'adaptent très vite et s'abstiennent, encouragés par le fait qu'ils peuvent planer et devenir très haut par leur propre volonté. Compte tenu de leur entraînement, les élèves sont préparés au vrai voyage, le choix des drogues a été déterminé et l'absorption rigoureusement liée aux possibilités de l'élève. Pourquoi interdire aux jeunes gens cette possibilité? Pourquoi ne pas les entraîner pour l'espace au lieu de bloquer tous les chemins spatiaux, ne laissant libre que les impasses de l'intoxication amphétamine, barbiturique, opiacé? Pourquoi les jeter en prison quand ils sont déjà sur le seul chemin valable? Si on ouvrait d'autres voies, les jeunes gens refuseraient de prendre des drogues destructives. Regardez bien la cave dans sa robe de chambre sale, les brûlures de cigarettes devant une vape qui ressemble à un navet décortiqué. Vous voulez vraiment ça? Maintenant il est éveillé, l'image fringale surgit, regarde la télé pieds nus, du sang sur le tapis, les veines et les chevilles gonflées, comme si un serpent l'avait mordu. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent les jeunes gens? Rappelez-vous la cam sur cette terre où Boots s'est ouvert toute la nuit. Vous retient dans une chair de camé, vous ne pouvez pas voyager dans l'espace avec les bouteilles d'oxygène de la nage sous-marine de la cam. Les toxicomanes ont besoin d'un traitement médical, ils n'ont pas besoin de prière, ils n'ont pas besoin de prison. Souvent, j'ai parlé de traitement en apomorphine. Une synthèse et une variation de la formule apomorphine serait une drogue miraculeuse, facteur de désintoxication. La drogue Lomotil, qui n'est pas toxique, mais qui réduit nettement l'accoutumance aux opiacés, pourrait être utilisée. Des expériences, des méthodes différentes pourraient rendre la cure indolore. Pourquoi et quand peut-on dire qu'une cure est salutaire? Quand un toxicomane est guéri, il trouve qu'il a quelque chose de mieux à faire. Il réalise alors qu'il ne doit plus prendre de drogue pour y arriver. Si nous offrons aux toxicomanes quelque chose de mieux à faire, je suis convaincu que la plupart assumeraient la cure et ne rechuteraient pas. Des académies pour élargir le champ conscientiel mèneront une nouvelle génération vers la grande aventure spatiale. Ça, c'est des textes qu'il a écrits après avoir longtemps été lui-même, si vous connaissez un peu Burrow. Un toxico a descendu assez profond dans l'héroïne et ayant écrit un bouquin qui s'appelle Apo 33 consacré à l'usage de la pomorphine. Ben oui, mais là, lui, il n'était pas tombé dedans avec modération du tout. Il doutait que la modération soit une consigne applicable à tous et toutes. Je pense que c'est ça. En plus, il était vraiment... Il faut lire un peu ses bouquins du début. Il faut lire Queer, Junkie. Ce sont vraiment des bouquins assez passionnants. Des bouquins du début de la vie de Burrow et qui montrent dans quoi il était pris. Voilà. Ouais, mais c'est un... On est dans les années 50 quand même. Hein. C'est un pionnier.
dans beaucoup de choses. Alors, tu as été de droite, toi? Tu as été de droite, dis-tu, Fioun. Il a commis un calembour qu'il fallait pas, c'est ça. Salut Minamia. Donc c'était Beru. J'espère que ça vous a plu. Belle écriture. La traduction est pas mal. Hein. Je sais pas qui l'a traduit, mais c'est vraiment pas mal du tout. Alors. Ah, c'est Mary Beach. Mary Beach et Claude Pélieu. Mary Beach, c'est l'épouse, enfin la compagne de Claude Pélieu. Claude Pélieu, qui est le petit rejeton français de la Beat Generation. Donc, un des participants de cette affaire. Moi, je vais faire un petit pipi. Voilà. Tenez-vous sage. Pourquoi je vous dis ça? Je sais que vous n'allez pas le faire. Je vais mettre ça à l'avant-plan. Voilà. Avant ma tronche. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, j'y vais. À tout de suite. Et je vais me prendre une petite bouteille d'eau. Hop, et voilà qui est fait. Ah, il a fallu s'y attendre, bande d'affreux. Vous pouvez pas vous empêcher. Hein. Bande de salopards. Eh ben oui, tout le monde s'y met. Psst, c'est du propre, vous savez pas vous tenir. Alors, comme je vous avais dit, les toilettes sont juste à côté de la bibliothèque qui va de Sade à Zoukovski. Et entre Sade et Zoukovski, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Tuny. Et je vous avais dit, il y a un très beau truc chez Tuny que j'aime vraiment beaucoup pour vous montrer la qualité de son écriture. Alors, il faut que je retrouve l'endroit par contre. Hein. Ah, c'est ça, c'est assez dément. Vous allez voir comment il écrit. Il peut aller quand même assez loin. On y va. Un retuny, d'accord? Sadouski. C'est vrai, la lettre S est entre et sur cette bibliothèque. Voilà, juste après ça, je sais plus qui est dans la bibliothèque. Je sais plus. Et juste avant Zoukovski, bah évidemment, il y a Wittgenstein. Ah, en X, il y a Xénophon. Drôle de voisinage. On y va. Vous allez voir si ça vous plaît. J'espère. Belle écriture. Je sais pas, et pas une réponse. C'est pas une réponse, soyez franc. Soyez franc, merde. Vous êtes un peu nerveux ces derniers temps? Nerveux. Vous êtes un peu nerveux? Il y a des tensions entre vous? C'est une question? Oui, c'est une question. Oui. Agnès, des tensions? Pas spécialement. On est un peu crevés. C'est la fin de l'année. On n'a pas été épargnés. C'est ça alors? C'est nous? C'est la meilleure. C'est vous le médecin? C'est vous le médecin, merde. C'est moi le médecin, d'accord. Ok, c'est moi le médecin, d'accord. N'est pas une réponse, merde. Putain, vous êtes tendu, monsieur. Je suis tendu. Vous culpabilisez les gens, non? Je culpabilise pas tout le monde à ces périodes de stress. Moi le premier, tout le monde. Moi le premier, c'est pas une réponse.
réponse, merde, je suis pas agressif, Agnès, c'est lui le médecin, c'est tout. Je me calme si je veux, merde. Il est pas agressif, madame, un peu tendu, peut-être. Je prescris un calmant, un petit quelque chose pour dormir, monsieur, d'accord. Oui, oui, pardon, pardon, d'accord, bien, bien, entendu. Correct, romancier, Stendhal, 18e siècle, dans la quatrième dimension, quelque part, correct, romancier, il y a une route. Il y a une route, tu la longes ou tu la coupes. Tu fumes encore? Faut pas fumer, papa. Tu fais quoi dans la cuisine? On caille. On caille, Agnès? Non, moi, je caille pas. Ça va, je fume. C'est froid, ça, hein? Est-ce que tu bois? Ça fait longtemps que t'es là? Ah oui, c'est froid. Je sais pas. Une heure, par là, oui. Je fais réchauffer ou je balance? Non, non, balance. Je sais pas. Je pensais à autre chose. Quoi? Tu sais, comme ça, rien de précis. Le bisou, quoi? Le bisou, le week-end, super. Le bisou, papa et maman, quoi? Le bisou, la maman, c'est tout. C'est chiant. Le bisou, la maman encore. C'est chiant. Pas sympa, pas cool, la maman. Course, la maman, comme tu vois, avec lunettes. Crever la maman, tu vois? Tu vois le genre? Ça a été? Ouais. Tu vois? Je vois quoi? Ça va, finalement, tu disais. Tu veux avoir raison sur le dos de la petite? T'as raison, ça va comme ça? Ça va comme ça. On mange dehors tous les quatre. Super? C'est marrant. C'est marrant, t'écoutes rien. Je suis crevé, on mange dedans. Alors? Super. Il y a une route, c'est mieux que rien. Sous tes semelles, c'est dur et ça tient. Boule, donne le ballon, on joue. Boule, donne le ballon, on joue. Boule, donne le ballon. C'est blonde qui a le ballon, on joue? C'est blonde qui a le ballon, on joue, on s'amuse, on joue pas. C'est chaud, tu veux toujours? T'as pas jeté? C'est gentil, Agnès. Lunette, tu la portes? Donne un bisou. Donne un bisou, laisse-la venir. Lunette, c'est. Elle fait. Lunette fait. C'est déjà ça. Laisse, je suis, c'est déjà ça. On joue pas au ballon avec papa? On joue pas au ballon avec papa ou au vélo? On joue! 2-0, tu triches, tu fais mal, tu tapes fort, tu fais mal avec les coudes. Joue doucement, ils sont petits. Lunette aussi joue, Lunette crie. C'est normal, ils sont petits, tu joues fort. Et les devoirs? On fait les devoirs maintenant, on est débarrassé. On apprend à anticiper, on n'aura pas toujours le temps de tout faire au dernier moment. On apprend à anticiper, on n'aura pas toujours le temps. Il faut apprendre bien en avance pour être bien, bien, bien au point quand il faudra être bien au point. On fait un bisou, on fait ses devoirs. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Pas grand-chose apparemment. Ouh là là, c'est facile. C'est facile, c'est facile. Vite le cahier et Lunette regarde. Lunette regarde comme vous êtes sage. Et Lunette est sage aussi. Non, balance, Agnès, finalement, je ne dormirai pas. Sérieux? La bête au long museau, c'est qui? Le chien, t'es d'accord, blonde? Non. Et pourquoi non? C'est qui alors le chien au long museau? Le chien? Pourquoi tu dis non alors? La bête au long museau, c'est le chien, d'accord? On coche le chien. Qui est l'ennemi du chien? Regarde bien l'image. Regarde bien l'image. Il est tout petit en haut. Le renard? C'est le renard ou c'est pas le renard? C'est le renard ou c'est pas le renard? C'est le renard. Coche 3. Le clown chocolat a 10 francs. Reste combien? Il reste combien comme le clown chocolat, il a 10 francs? Regarde, papa a 10 francs. Non, papa. Chocolat a 10 francs. Comme Barbie a 10 francs. Reste combien? Quoi? Reste combien? Quoi? Combien quoi? Boule sait, regarde. Boule sait combien sur les 10 francs il reste au clown chocolat. Hein, Boule? Que tu sais combien? Que tu sais combien il reste au clown chocolat sur les 10 francs? Non, papa. Non, pas le clown chocolat. C'est pareil, c'est pas gentil, c'est pareil, le clown et papa, c'est vache. Chameau, tu me fais mal. Tu leur fais mal, fais un peu gaffe. Les balles, il en reste 3, coche 3. Le clown chocolat, il lui reste 4 francs. Comme il n'en a pas dépensé, comme il en a dépensé 2, puisque le pain et le beurre coûtent pareil, et que le beurre coûte 2 francs. Le clown chocolat, il a dépensé combien? Combien il a dépensé? 4 francs, bien vu, 4, voilà, 4, il en a dépensé 4, le clown. Pareil, papa. Oui, pareil, papa. Oui, bien. Ok, mais combien? 4. Bon, coche 3. Qu'est-ce qui te manque? Dans le filet qui fait la porte sous l'oranger du bureau, Agnès est de côté. Une jolie tranquillité, finalement clair-obscur. En fin de journée, elle aussi prend la tangente, les petits fatiguent plus encore que les grands. Les petits en plus se frappent et les filles hurlent, les touchent et les quéquettent et ça recommence et les garçons frappent et les filles font i dans les couloirs et les toilettes et les escaliers. Et les étagères et les patères et tous se touchent et on voit ça aux cheveux qu'ils ont, ils sont gras comme un chat malade. Il est où le chat? Il est où le chat roux, le chat noir? Deux chats restent au clown chocolat. Les autres ont eu d'abord le poil, comme les filles et les garçons, quand ils se touchent et font doucement iiii la nuit, et puis ils se sont cachés, et puis ils ont bavé, maigres dans les coins, et puis ils sont morts l'un et l'autre dans les feuilles. Vous voulez que je vous aide? Vous voulez que je vous aide, monsieur? C'est jamais agréable. Le mieux, c'est quand même de les faire piquer, les pauvres bêtes. Elles ont rien demandé. Moi, je dis, le plus simple, c'est encore de les faire piquer au veto. Elles se rendent compte de rien. Il y a des gens, je dis pas ça pour vous, hein. J'en sais rien, mais qui laissent traîner ça dans un état pas possible. Des mois et des mois. Moi, je dis, le veto, c'est plus pratique. Ils voient rien venir. Et puis, hop. Et puis, crématorium, et c'est hop. Crématorium et hop, je vais chercher une pelle, c'est mieux, non? Avec ça, vous n'arriverez jamais à rien. C'est des trucs pour la plage, ça. Je m'excuse, hein, mais la terre est dure. Et si vous arriverez à rien, puis l'endroit est pas bon.
du côté de la tondeuse là-bas dans le fond, je fais mes carottes, c'est plus tendre. La tondeuse, au fait, vous ne la vendez pas ? J'ai une pitié, elle rouille, elle ne sert à rien. Vous ne faites jamais le jardin, c'est du boulot ça. C'est du boulot quand on ne sait pas faire. Le grand pourrait vous arranger ça ce week-end. Notez, ce sera bien fait, on ne prendra pas cher, vous direz à votre dame. Elle a des soucis, votre dame, hein, forcément, avec la petite lunette, avec lunettes. Elle a l'air fatiguée. On se disait avec Christiane, ma femme, elle avait l'air fatiguée. Vous, ça va ? Merci, mais j'ai presque fini. Encore 10 minutes, je referme, terminé. C'est l'affaire de tout au plus 10 minutes. Merci, vraiment. Non, pas de problème. Je vais chercher la pelle. Vaut mieux faire ça proprement à cause des chiens. Ils pourront venir un et puis vous retrouver avec le chat sur les pieds. Je vais chercher la pelle, il n'y a pas de mal. Il y aura une surprise. Une surprise du chef. Surprise du chef, comme on dit chez moi. Hein ? C'est pas de la salade, ça ? C'est pas de la salade. Ça. Vous êtes un Parisien ? Ouais, mais de naissance, vous êtes Parisien ? Il n'y a pas de salade comme ça là-bas. C'est pas vrai ce que je dis ? C'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou pas ? J'ai mis des navets aussi. Puis regarde, 2-3 radis pour ce soir. Avec du beurre, on se régale. Puis les enfants, les radis, ça les amuse. On referme et vous m'offrez le coup. Ok ? Marché conclu ? Au début, ils nous ont fait miroiter, je sais quoi, mais on voyait bien qu'ils fermeraient. J'ai dit à Christiane, j'ai dit, les gars, là, les Parisiens, ils vont fermer. Hein. Tu parles, à 40 ans. Retrouver un boulot à 45 ans, t'as beau dire et tout, bah tu peux courir. J'ai dit, je vais me débrouiller, je me débrouille, j'ai pas le mauvais bout, mon petit terrain, ça va faire 10 ans. C'est pour ça, quand ils disent que ça va à la télé, moi je dis non, je dis doucement les basses. Moi je dis, ils ont tout fermé ici, les gens, on fait quoi ? Ils sont partis un peu partout. Moi, j'ai de mon copain, ils sont partis, ils ont trouvé. Mais allez, laissez tout en plan ici. Moi je dis non, je dis. Ici, tout à fermé, regardez. Quand vous pensez qu'il y avait 2 pharmacies ici, il y a quoi ? 10 ans d'ici ? Bonjour monsieur, bonjour Christiane, tu viens voir les hommes ? C'est le chat, monsieur, il s'y prenait mal, oui, c'est normal. J'ai ramené la pelle et les salades. Elles sont jolies les salades, hein. Vous êtes parisien ? Oui, mais de naissance, vous êtes parisien, elles ne sont pas comme ça les salades à Paris. Vous payez cher, hein. Et chez nous c'est gratuit, c'est cadeau les salades. C'est pas ça les... Bon, c'est les voisins, c'est nous, c'est quoi ? C'est moi, je dis, bon, on prend ce petit jus et on se rentre ? C'est pas de refus le jus. Ok, vous avez de la poire ou quelque chose ? Oui, si vous avez quelque chose qui réchauffe. Je disais, c'est vrai que c'est pas drôle, arranger le jardin au point où il en est, on peut demander au grand, vous lui donnez 50 francs comme vous voulez ce week-end, il vous arrange ça en moins de 2, pour ça il est fort, parce que ça pour le reste, voilà, pour ça il est fort. Ou alors vous dites à vos collègues d'y filer le bac pour qu'on s'en débarrasse un peu, moi je plaisante, on aime bien, hein. Il est feignant quoi, il tient pas ça de nous, hein. Nous on a trimé, nom de Dieu. Bon, une goutte alors. Non, on a trimé, hein. À la maison, il n'y avait rien. Le mur que vous voyez là, non, vous regardez là, on l'a montré à tous les deux, Christiane et moi je bossais dans le métal. En plus, à l'époque, enfin pas tous les temps, je mens, bichette ? Je mens ? C'est pas vrai ce que je dis ? C'est les cahiers d'Edouard des enfants, ça. Le clown chocolat, bah dis donc. Le clown chocolat à l'école, moi je veux bien. On leur donne plus le sens de l'effort, vous les gamins. Vous êtes professeur enseignant comme vous êtes professeur. Vous trouvez pas, quand même. Vous trouvez pas qu'on leur donne pas beaucoup le sens de l'effort aux gamins ? Je vois le grand, on lui donne tous les jours dans la bouche et il trouve que c'est dur. Il a toujours des excuses. Combien reste au clown chocolat après les courses ? 4, d'accord. C'est pour laquelle ? Blonde. Et la petite ? Lunette ? Oui, lunette. Elle a aussi des exercices adaptés, je veux dire. J'entends dire que. Ils avaient des exercices adaptés. Elle a des exercices adaptés, la petite, ou vous pouvez pas encore ? C'est quand même pas facile. Vous pouvez... Elle doit être lessivée, votre dame. Vous aussi ? Je peux ? Une goutte, je peux. Une goutte, oui, c'est tout. La bourgeoise va gronder. Hein, bichette ? Enfin, je fais ce que je veux. Enfin, bon, tu serais pas la dernière, hein, quand monsieur aura le dos tourné à dire ci, à dire ça, et que je bois. Ouais, je dis pas la vérité, ma parole. Ah, je vous jure. Hein, les bonnes femmes ? C'est pas vrai, les bonnes femmes ? Je te jure. Bon, le chat, là, comme ça, pas de problème. Vous laissez le plastique dessus, la tondeuse une petite semaine, ça va sécher dessous, point barre. L'important, c'est que ça ne sente pas pour les chiens et les rats. Pour le jardin, vous le dites. Je vous envoie le grand con, il vous arrange l'affaire, pareil. Si vous voulez sortir avec votre dame, le grand garde, les enfants ou quoi, faut pas hésiter. Sinon, je dis, ça sert à quoi ? Les voisins ? Pas vrai. Hein ? Ça sert à quoi, les voisins ? Bon, la petite. Lunette. Oui, lunette. Elle n'a pas l'air méchante, lunette. Bon, marché conclu. La salade, vous la lavez un peu, pas beaucoup. Vous allez voir, vous êtes parisien. Oui, mais de naissance, oui. Ça, putain, c'est de la salade. Hein. Et les radis, ça va amuser les enfants. Rouge, blanc, tout ça. Non, pas de problème, vous ramenez le bol demain. Dans le filet du jour, au bureau, Agnès écrit. Orange, elle écrit dans la fumée bleue de son thé, elle s'en sort. Il y a une route. T'écris, ma chérie, à maman. T'as écrit la semaine dernière ? Il y a des quotas ? Non, c'est comme ça. Il y a des quotas ? Non. Il y a des quotas ? Non. Du jour, plein la bouche, ras la gueule, le plein bleu démarche sur un sourire que tu ferais dans la campagne douce, avec pain parasol avant la voiture et les aubergines et le bain. Tu perds ta barrette dans l'eau d'Italie, j'entends rien et je plonge la tête, on ira. Les oreilles font mal, je trouve pas la barrette. Tu ferais n'importe quoi pour moi ? N'importe quoi, mon amour. N'importe quoi, vraiment ? N'importe quoi, mon amour. Tu ferais n'importe quoi, mon amour, n'importe quoi pour moi ? N'importe quoi, mais vraiment, mon amour, n'importe quoi. Tu me laisseras ? On se laissera, on se fera du mal, n'importe quoi, mon amour. On se laissera pas, tu sais bien, on se laissera pas, on est bien. Tu ferais quoi pour moi, par exemple ? Trouve ta barrette. J'ai mal aux oreilles, c'est malin, penche la tête, on n'y pense jamais. C'est pourtant simple, faut évacuer l'eau. Par exemple, trouver ta barrette. C'est tout ? Oh, c'est pas beaucoup. Tu ferais quoi d'autre pour moi ? N'importe quoi.
Je ferai n'importe quoi pour toi, Agnès. N'importe quoi, mon amour. N'importe quoi. Toi, je t'aime. Je t'aime tant. Oh, tant. On se laissera, pas vrai. On se laissera pas. On se laissera pas. On se laissera pas, pas vrai. On est pareil. On est pareil, on se laissera pas. Tu ferais quoi pour moi encore? Un enfant? Aujourd'hui? Aujourd'hui. Hop! C'était la vie scolaire de Tunis. Deuxième petit extrait de l'écriture de Tunis. Donc, il y a eu très différente du précédent. J'adore le passage du clou de chocolat. Je trouve ça incroyable. Il n'y a pas de... Enfin, l'écriture est... vous plonge tout de suite dedans. Il n'y a pas de... Comment dire, l'orthotypographie habituelle pour souligner les dialogues. Tout ça est pris dans le corps du texte, mais c'est tellement bien rythmé et bien écrit que ça coule tout seul. Alors, qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Alors, il y a cette vidéo, top, il y a bien Wittgenstein, pas trop les oreilles qui sifflent. Oh, ça va, ça mousse, ça. On prend au sérieux ce qu'il dit, donc ça nous demande du temps, hein, et de l'examen, on y va phrase par phrase. J'ai pris des notes ce matin, je fais un truc bizarre ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon Wittgenstein, je suis allé dans les bois, j'étais là, Wittgenstein dans les bois, autant vous dire que c'était bizarre. Il y avait comme une sorte de contradiction ontologique entre ce que j'avais entre les mains. Et les arbres autour de moi, c'était vraiment très étrange. Oui, c'était à propos de la phrase qui nous a posé tant de problèmes la dernière fois. Je l'ai relue et j'ai eu un éclaircissement dans la nuit. Je me suis réveillé, je me suis dit, il faut que je prenne des notes. Je l'ai relue dans les bois. J'ai pris des notes, on aura la suite dimanche soir avec mes notes. Et pas tant, non? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire de beau? Est-ce que ça vous a plu quand même le truc? Ah, il y a Bichette et Agnès dans le texte. C'est vrai. Je vais vous lire peut-être un peu de Butor. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai choisi Boomerang, parce que c'est pas un des bouquins les plus lus de Butor. C'est un bouquin très beau, très puissant, immense, écrit dans plein de couleurs différentes. Vous avez du bleu, vous avez du rouge, voilà, un beau bleu dans le texte, qui aide à articuler les textes entre eux. Et plus tard, il a fait un truc qui s'appelle « Retour du boomerang », qui est une espèce de contrepoint à cette expérimentation énorme. Bon, c'est pas un des livres les plus republiés de Michel Butor, parce que, évidemment, son succès est faible. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait encore beaucoup de gens qui lisent Butor aujourd'hui. C'est bien dommage, c'est une œuvre assez colossale. Quoi, c'est ce que tu lis en ce moment, Wittgenstein ou Butor, le Pierre Boulez? Butor, je veux dire, celui-là. Boomerang? Tu lis Boomerang en ce moment? Non. Ce serait quand même une coïncidence folle. Allons bon, qu'est-ce qui a été supprimé? Pourquoi il a été supprimé? Tu tapes boomerang et ton message est supprimé. Mais pourquoi diable? Ça n'a aucun sens. Depuis quand il enlève le mot boomerang? Ça n'a aucun sens. Non, le bot vient de couper la parole à le Pierre Boulez. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi boomerang est interdit? Je ne comprends pas. C'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Je vais vous lire un petit peu de Butor, alors. Boomerang. Et là, tu peux l'écrire, Agdo. Mais pourquoi le Pierre Boulez n'a pas le droit de l'écrire? Mais pourquoi il a été puni? Ouh, c'est trop bizarre. Et le message de Agdo est supprimé aussi. Pourquoi Boomerang est interdit? Je ne comprends pas ce que fait ce bot. Il a une autonomie qui m'angoisse beaucoup, vous savez, vraiment, c'est flippant. Je vous jure que je n'ai rien à voir avec ça. Oui, éclaire-nous, Weisbot, dis-nous pourquoi. Pourquoi tu fais ça? C'est dangereux, hein, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de votre tête, là, suspendue, et qui à tout moment peut tomber sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors Minamia vient d'essayer aussi, et avec Boomerang, il est fâché contre Boomerang. Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Allons lire un petit peu de Butor. Je referme les yeux, je dors, je rêve, tu me tiens, tu me serres, tu essuies mes larmes doucement avec tes lèvres.
Tu me portes dans tes bras, je suis heureuse dans tes bras, tu me fais traverser les flaques et tu m'éclabousses d'eau tiède. Je prends les bonnes lunettes, ce sera peut-être plus facile. C'est de pire en pire cette histoire de lunettes. Je suis censé voir un ophtalmo dans 2 jours, croyez-moi, c'est pas dommage, c'est n'importe quoi ces lunettes. Ça fermit l'horizon de fer bleu, s'agite l'eau de suie bleue. Je dors, je rêve, j'ouvre les yeux mais je rêve. Je tiens ta main, je transperce au milieu des forêts de célèbres. Liane, j'écarte les lianes, je tiens les mains, tu marches, tu ruisselles de sueur, nuages. Fleurs, serpents et fleurs et plumages à peine effleurés par la lointaine lune et tes cheveux, qui poussent et se dénouent et se déroulent comme des lianes jaunes, Kiyotsune, Zéami, petit 1. Awazu, fidèle compagnon du général vaincu, Kiyotsune, raconte le suicide de son maître, petit 2. Awazu arrive auprès de la veuve de Kiyotsune, tard dans la nuit. Il s'est jeté de son bateau et s'est noyé. Balançant son sceptre rouillé sur des tours croulantes, vénérant superstitieusement l'ancien, se défiant de l'avenir, le roi de Hapsoro, ventru, souriant, aime la chair de sanglier, habitué à lever le coude, soucieux de solide confort, Melville, les 38 rois alliés de Toutoni, qui ont mis en commun leur domaine afin que nul ne s'empare du bien d'autrui. Race sérieuse de penseurs profonds, buveurs de bière, fumeurs de pipes à tête longue, nombre s'adonnant à de mystiques cogitations et secrètes consultations diaboliques, les rois jumeaux de Zandinaria, montagnards frugaux et robustes, au dos et cœur droit, vêtus de peau d'ours, le roi de Miskovski, ours blanc, aux poils hérissés de gel, despote du nord régnant sur des millions d'arpents de glaciers, province couverte de frimas, et colonies entourées d'icebergs jaunes, vous garderez le sabbat. Cinquième tribunal. Au milieu des souffrances du purgatoire, les âmes coupables suppliaient qu'on leur donnât permission de revenir à la lumière du jour, jurant que désormais leur vie serait exemplaire. Alors, le juge de ciment peint demanda au démon bœuf et au démon cheval de les conduire à la terrasse d'où l'on voit sa propre maison. Et leur soupir devint atroce, car elles virent de leurs propres yeux leurs derniers souhaits méprisés, leurs dernières instructions oubliées, troubles, récriminations, confusion et misère. Bulle. Sixième tribunal. On scie en deux ceux qui ont tué des animaux domestiques, chevaux ou chiens. On fait grimper à un arbre en ciment peint, barbelé de crochets de fer, les meurtriers et les incendiaires. Mal de tête, étendre en même temps du baume ou de l'huile du tigre sur le front, les tempes et derrière les oreilles en descendant. En cas de douleur, derrière la tête, masser la nuque avec le baume du tigre. De pouvoir réparer nos maux dans une contrée si délicieuse. J'envoyais à la chaloupe et le lieutenant pour recouvrir un ancrage et sonder les dispositions des habitants. La chaloupe revint 3 heures après avec 2 naturels du pays qui demandèrent à me saluer et qui le firent à l'européenne. Je leur parlais tour à tour quelques-unes des langues de ce continent, mais ils ne me comprirent pas. Je crus m'apercevoir cependant qu'ils redoublaient d'attention quand je me servais de la langue française et que leurs oreilles étaient faites à en entendre les sons. Quoi qu'il en fût, leurs signes très intelligibles et qui n'avaient rien de sauvage m'apprirent que leur chef ne demandait pas mieux que de nous recevoir si nous arrivions avec des desseins de paix et que dans ce cas, nous trouverions chez eux tout ce qu'il fallait pour nous servir. Ils tentaient sans succès d'y fonder une mission catholique. Invariablement traités avec mépris, ils se heurtaient parfois à une franche violence. Se reprend, frémit, touffe d'eau, s'affermit, buée, blanche, s'arc. Ainsi, 2 prêtres, Laval et Carré, après avoir subi toutes sortes de persécutions, furent arrêtés par les indigènes, molestés et finalement embarqués pour Wallis. Plume. Ces mauvais traitements constituaient le principal motif et le seul justifié sur lequel Dupetit-Foire exigeait réparation. Une forte compensation monétaire était exigée, $10,000, impossible à payer. L'île fut donc annexée sur le champ, sous couvert d'un traité d'alliance dicté sur la batterie de la frégate. Pure formalité jaune, comme leur seule passion est l'amour, le grand nombre de femmes est le seul luxe des riches. Les enfants partagent également les soins du père et de la mère. Bougainville, ce n'est pas l'usage à Tahiti que les hommes uniquement occupés de la pêche et de la guerre. Les employés ont l'air de s'ennuyer. Enfin, ils se décident à enregistrer. Celui auquel je m'adresse me regarde d'un air soupçonneux, profondeur. J'ai compris par la suite qu'il devait détester les Français. Explosion atomique, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la notion de dom-tom n'est pas très appréciée. Sous les flammes d'argent, il pèse les valises et caille, ça va juste. Vous avez des bagages à main ? J'ai la candeur de répondre oui. Sourire vicieux, j'apporte tout.
Il y a en particulier ma machine à écrire, 18 kilos d'excédent. Heureusement, le caissier d'Avray me demande jusqu'où je veux les payer. Seulement jusqu'à Singapour, car je suis bien certain que là-bas, le problème ne se posera pas. Mais il reste une inquiétude. Et la moitié de l'argent que nous avions destiné à couvrir de cadeaux la famille s'en va, jaune de plus en plus. Les Néo-Zélandais prétendent qu'en dévorant un ennemi mort, on détruit sa partie spirituelle. On hérite assez de son âme. Dans l'autre, une massue, avec laquelle il chassait les esprits mauvais au bout de l'éblouissant monde oublié. Visite souvent les tombes des morts et essaie en vain de les faire lever. Rouge cosy égale costume de bain à l'autre bout du monde. 90 égale chemise de nuit rouge de retour aux antipodes. Écorce peinte représentant Waragook, la chauve-souris. Un poinçon magique, un bandeau frontal venu de Mornington Island. Quelques grains de banksia, tulipier africain, groseillier à macro chinois. Une pointe de lance en verre blanc, un sac en filet d'herbe provenant de Milligimbi, rouge, le champ d'opale découvert par les frères O'Neill. Je suis nommé Kuba Pedji par les aborigènes de l'autre côté de l'autre bout du monde, ce qui veut dire blanc dans un trou rouge. Envoyer le quartier maître avec deux canaux à la fois pour faire des sondages autour du navire de l'autre côté de l'autre bout du monde sans bout et rechercher un port où nous pourrions faire les réparations nécessaires à le remettre en bon état. Cook. À 8 heures, un des canaux revint annoncer qu'il en avait découvert un rouge. Les anthropologues ne peuvent avancer que des conjectures sur la population antérieure à la colonisation, peut-on lire au centre Opal. Loin, mais pour évaluer l'extermination, il faut se rappeler que les régions les plus peuplées étaient les côtes où se sont concentrés aujourd'hui les Blancs. Rouge, les gens de Queen Bay et NGC racontent que le 28 juin 1876, un berger nommé McCarthy avait été assassiné au lieu-dit Waspin, près de Yumba, sur le fleuve Murrumbidgee. La police découvrit que le corps avait été enterré juste à l'entrée de sa cabane de rondin, très loin. On rendit un verdict de meurtre d'auteur inconnu, rouge, en formant un numéro de téléphone à Sydney, au bout du monde. Vous pouvez entendre l'évangile du jour, rouge, en 1595, Alvar de Mendana, qui avait été du voyage fait par Mendoz dans l'année 1567, reparti du Pérou avec quatre navires à la recherche des îles Salomon. Le seul qui coûte cher, mais très caractéristique, est la broderie patriotique inachevée, qu'on peut se procurer par l'intermédiaire d'American Airlines pour $14,95. Il faudrait demander à Monori de dessiner le contour des masques, et aussi, naturellement, de faire la maquette de la boîte. Il faudrait que nous voyions le plus tôt possible après mon retour, pour que nous mettions tout ça au point. Je serai à Nice à partir de la fin août. Aurez-vous l'occasion de venir sur la côte dans le courant septembre? Je passerai à Paris, vraisemblablement en octobre, ou plus tard, au début novembre, mais ce sera déjà bien tard. Je prends dès à présent des mesures pour les tirer à part des critiques. Pour les cartes, on peut imaginer un ensemble. Carte normale, 50 États, carte 38 États, carte 20 États, carte française après le Louisiana Purchase, carte blanche, seulement le contour. Vous voyez que les choses sont assez souples, mais il est temps de décider. Je suis de plus en plus excité par ce projet. J'en ai beaucoup parlé autour de moi et il a déjà éveillé beaucoup d'intérêt. Je peux vous dire qu'on attend l'ouvrage ici avec une impatiente curiosité. Nous allons bientôt reprendre la route. Nous quittons Albuquerque le 3 juin pour Chicago, New York et Middlebury, où nous serons à partir du 15. C'est là qu'il faudrait m'envoyer les épreuves des sérigraphies, ce sera plus sûr. Mais tâchez de m'envoyer ici leur nombre et les propositions d'objets. Bien cordialement, jusqu'au 3 juin, 4115 Marble Avenue à New York, Albuquerque, USA, du 15 juin au 15 août, École française d'été, Middlebury College, à partir du 1er septembre aux Antipodes. PS, je crois que cette lettre sera un des 50 objets de la liste définitive. Liste provisoire 1, boîte forme de livre, recouverte de papier d'emballage, genre Galerie Lafayette, marque Lafayette Galerie, numéro 1 du catalogue. Je ne vois malheureusement pas la possibilité d'aller à Nice prochainement. Aussi vous serais-je très obligé, si lors de votre prochain voyage à Paris, vous vouliez bien me fixer un rendez-vous pour que je puisse vous exposer le projet dont je voudrais vous faire part. Dans cette attente, Albuquerque, pardonnez-moi d'avoir été si long à vous écrire, même à répondre à votre dernière lettre. Le semestre a été extrêmement chargé. Heureusement, il se termine et je vais pouvoir respirer un peu. J'ai mis très longtemps à établir cette liste provisoire, peu à peu, notamment lors de mes derniers voyages en avion. L'ouvrage a commencé à prendre corps et je vois maintenant assez bien ce qui sera, en particulier son caractère d'hommage à Marcel Duchamp. J'attends avec beaucoup d'impatience les sérigraphies de Monori, car selon leur contenu, le matériel qu'elles emploient, j'aurais peut-être à changer quelques-uns de mes objets. Ils ont cette année des blouses de satin vert, à grandes manches bouffantes, ornées de flots de rubans orange.
Ils avaient autrefois des chemises noires et des rubans jaunes, turquoises, rouges et blancs. Ainsi pourriez-vous sentir six masques de carton léger, fabrication Bistandard Kit, les jeux du hasard, blues, après les affres des mises de gains et les civages dans la fumée des mégots mal éteints. Le casino de Las Vegas reste quelques heures désert pour qu'on procède à la désinfection. La route a été longue jusqu'à Los Angeles. Plus de 5 heures d'autoroute sans presque rencontrer un village. Pour arriver trop tard, une fois le malheur consommé. Et elle s'écroule devant le commissaire qui ressemble un peu à Igor Stravinsky, devant sa machine à écrire à ses classeurs bleus, parce que Blue Book veut dire le registre des employés de l'État. Les jeux de hasard Blue, Bicentenaire Kits, briquet, même il faudrait le remplir d'eau noire, élixir de courte vie ou jus de pierre antiphilosophale pour accomplir la cérémonie focale de votre bicentenaire party. Briquet, même Bicentenaire Kits, rêve bleu du Nord-Ouest, je danse sur le toit de la maison des deux frères. Ils m'entendent. Ils m'invitent à descendre malgré mon odeur. Je leur dis que je suis le frère aîné perdu. Eux me déclarent qu'au contraire, je ne puis être que leur cadet et me chassent jusqu'à la mer, où j'épouse une femme bleue qui me donne d'innombrables enfants, qui se nourrissent des phoques du rivage, alors que ceux de mes deux frères se meurent de faim, car ils arrivent toujours trop tard pour cette chasse jusqu'au jour où je montre à l'un d'entre eux comment fabriquer en bois un phoque automate qui descend à son tour vers la mer et se dirige vers l'île de Vancouver, entraînant à sa suite ma descendance, rêve bleu du Nord-Ouest. Voilà, voilà. Alors. C'était un extrait de Boomerang de Michel Butor. Alors, quelle heure se fait-il ? Ça fait combien de temps que je vous lis des trucs, moi ? J'ai fait des grosses piles, mais je ne suis pas obligé de lire tout ce qu'il y a sur cette pile. Ça fait 2h52. Bon, on pourrait encore lire un petit truc, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire de beau? Là, j'ai du Caillois, j'ai Pierre, c'est pas mal. Ah, peut-être moins familier. L'abominable tisonnier de John MacTaggart, Ellis MacTaggart, de Jacques Roubaud. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Est-ce que je vous ai déjà lu ça, du Roubaud ? Je sais plus. Ah bah, le Pierre Boulez a l'air plutôt d'accord pour le Roubaud. C'est un très bon Roubaud, je vais vous dire. L'œuvre est assez inégale, mais alors celui-là est assez dingue. Donc vos messages avec Boomerang continuent à être effacés, c'est ça? Il faut vraiment que j'aille voir de près ce que c'est que ces conneries, je vois vraiment pas pourquoi. Ah, parce que j'ai fait la pile, je suis obligé de tout lire. Ouais, je le trouve plutôt inégal, ouais. Il y a vraiment des bouquins que je trouve pas foufou. Mais bon, peu importe. Celui-là est très bon. J'aime bien la fleur inverse, enfin bref. Sa poésie est très inégale, je trouve. Il y a des choses que je trouve pas terribles. C'est pas très important. Ouais, ça dépend. Il y a l'estance sur Gertrude Stein que je trouve pas mal. Oui, non, mais ça dépend vraiment. En fait, c'est ce que veut dire le mot inégal, je crois. En vérité. C'est que si je regardais sa bibliothèque, j'en ai quand même lu un bon paquet. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc là, je revois ça avec vous. Je remets le nez dans Roubaud. Mesura, oui, ça, j'ai pas trouvé ça fou. Si, attends, non, Mesura, c'est celui-là qui est monté sur un socle de Gertrude Stein, donc c'est pas celui-là qui se trouve faible. Quelque chose noir, ouais, je suis pas enthousiasmé par ça. Bon, bref, on s'en branle. On s'en branle complètement. Lisons un petit bout de cet incroyable bouquin. Et après, on pourra peut-être finir par de la poésie. Si vous voulez. L'abominable tisonnier de John MacTaggart, Ellis MacTaggart. Prologue. La scène se passe à Cambridge au Trinity College, dans les appartements. J'ai oublié de changer de lunettes. Je vais recommencer ça tout de suite. J'en ai marre de cette histoire de lunettes. La scène se passe à Cambridge, au Trinity College, dans les appartements, les rooms de C.D. Broad, professeur de philosophie morale. Ce sont ces mêmes rooms qui furent autrefois celles de Sir Isaac Newton. Situons aussi la scène dans le temps pour fixer les idées.
Ce sera pendant le Springtime de 1932. Le professeur Broad a invité pour une rencontre philosophique au plus haut niveau plusieurs penseurs éminents. Moore, Bertrand Russell, Maynard Keynes, Kim Philby, Ludwig Wittgenstein et bien d'autres. Paolo Sraffra, Alan Turing, John Barton, Volgamot. Certains des participants sont éminents, certains moins, certains sont destinés à le devenir, mais ne le sont pas encore. Les raisons de leur éminence sont assez variées. Ramsay n'est pas là, il est mort. Whitehead est excusé, il a rendez-vous avec Alistoclas et Gertrude Stein. Tous ceux qui sont là le sont pour rencontrer un non moins futur éminent visiteur, Karl Popper. Choisissons un thème pour la discussion qui eut lieu, par exemple, et why not, petit a. Y a-t-il quelque chose plutôt que rien, petit b. Si oui, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. La discussion prend rapidement une tournure passionnée. L'ombre du rhinocéros de l'absence, duquel Russell n'avait pas réussi autrefois à persuader Wittgenstein, plane sur la réunion. Quelques mots sur le rhinocéros. Brian McGuinness, dans sa biographie de Ludwig Wittgenstein, raconte les différends de Russell et Wittgenstein à propos des propositions existentielles, d'après les lettres de Russell à sa folle et adorée maîtresse Lady Ottoline Morrell. « My German engineer, I think, is a fool. He thinks nothing empirical is knowable. I asked him to admit there was not a rhinoceros in the room, but he wouldn't. » Traduction. Mon ingénieur allemand est, je crois, un idiot. Et il pense que rien de ce qui est empirique n'est connaissable. Je lui ai demandé d'admettre qu'il n'y avait pas de rhinocéros dans la pièce. Il n'a pas voulu le reconnaître. Le nom du rhinocéros est Ulrich von Bühler. Il a été représenté en gravure sur bois, woodcut, à deux reprises, en 1515 et en 1521, par Dürer. Profitons de l'occasion pour rappeler la célèbre notice nécrologique de Ludwig Wittgenstein. Elle appartient à une variété particulière, l'obituary, du genre des vies brèves, vita brevis, qui fleurit encore aujourd'hui en Angleterre dans les quality newspapers comme le Times, l'Independent, le Daily Telegraph et le Guardian. Le numéro 239, volume 60 de juillet 51 de la revue Mind, s'ouvrait ainsi. Petit 1, notice nécrologique. The editor regrets to announce the death of Ludwig Wittgenstein. La revue a le regret d'annoncer la mort de Ludwig Wittgenstein le 29 avril 1951 à Cambridge. Petit 2, Ludwig Wittgenstein par Bertrand Russell. Quand j'ai rencontré pour la première fois Ludwig Wittgenstein, il m'a dit qu'il avait eu l'intention de devenir ingénieur et qu'il était venu dans ce but à Manchester. Au cours de ses études, il s'était mis à s'intéresser aux mathématiques. Au cours de ses études de mathématiques, il s'est mis à s'intéresser aux principes des mathématiques. Il avait demandé, me dit-il, aux personnes qu'il connaissait à Manchester si un tel sujet d'étude existait et s'il existait quelqu'un qui y travaillait. On lui dit qu'un tel sujet existait effectivement et qu'il pourrait en savoir plus en venant me trouver à Cambridge, ce qu'il fit. Au début, je me demandais si c'était un génie ou un excentrique, un crank. Mais je penchais assez vite pour la première hypothèse. Certaines de ses positions initiales rendaient la décision difficile. Il défendit pendant quelque temps l'idée que toutes les propositions existentielles étaient privées de sens. Ceci se passait dans une salle de cours et je l'invitais à examiner la proposition. Il n'y a pas d'hippopotame dans cette salle. Quand il refusa d'admettre la vérité de cette proposition, je me mis à regarder attentivement sous tous les pupitres. Mais il ne fut pas convaincu pour autant. Il fit des progrès rapides en logique mathématique et suit très vite tout ce que je pouvais lui apprendre. Je crois qu'il ne connaissait pas Frege à cette époque, mais il avait lu ses ouvrages et l'admirait beaucoup. Je le perdis naturellement de vue pendant la guerre 14-18, mais je reçus peu après l'armistice une lettre de lui écrite de Monte Cassino. Il me dit qu'il avait été fait prisonnier, mais qu'heureusement il avait conservé son manuscrit qui était celui du Tractatus Logico-Philosophicus. Je fis agir quelques personnes haut placées pour obtenir du gouvernement italien sa libération et nous nous rencontrâmes à La Haye où nous discutâmes ligne à ligne le Tractatus. Je ne peux pas dire grand-chose de ces positions d'avant 1914 car elles étaient en voie de formation et en changement perpétuel. Il travaillait constamment et très efficacement et il ne parvenait encore à rien de très satisfaisant à ses propres yeux. À un moment où je doutais encore de la réalité de ses dons, je demandais à Moore son opinion. Il me répondit « Je pense beaucoup de bien de lui. » Quand je désirais connaître les raisons qui motivaient cette opinion, il me dit que c'était parce que Wittgenstein était le seul de ses étudiants qui avait l'air perplexe en écoutant ses cours.
Faire la connaissance de Wittgenstein a été une des aventures intellectuelles les plus existantes de mon existence. Dans les années qui ont suivi la guerre, il y a eu un certain manque de sympathie intellectuelle entre nous, mais au début, j'étais heureux d'apprendre de lui comme il l'était de moi. Sa pensée montrait à un degré presque incroyable, une pénétration intense et passionnée, et je lui accordais sans réserve mon admiration. Avant 1914, il ne s'intéressait qu'à la logique. Pendant ou peut-être juste avant la guerre, il changea de perspective et devint plus ou moins mystique, comme on peut s'en rendre compte ici ou là dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Il avait été un adversaire dogmatique de la religion chrétienne, mais sur ce point, il changea du tout au tout. La seule chose qu'il m'ait jamais dite à ce sujet est qu'un jour, dans un village de Galicie pendant la guerre, il était entré dans une librairie où il n'y avait qu'un seul livre, celui de Tolstoï sur l'Évangile. Il avait acheté le livre et, selon lui, il en fut profondément influencé. Sur le développement de ses idées après 1919, je n'ai rien à dire ou je ne peux pas parler, allusion bien entendu à la fameuse dernière proposition du Tractatus qui porte le numéro 7, « Wovonmar nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen ». Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Dont un groupe musical finlandais, composé d'élèves de Von Wright, a fait une très entraînante polka, la Wittgensteiner Polka. McGuinness, qui cite la notice de Mine, ne semble pas s'être rendu compte que dans la divergence théorique initiale de Wittgenstein et Russell, il s'agissait de deux animaux différents. L'hippopotame de la salle de cours n'est pas le rhinocéros des rooms de Russell. J'ignore ce que l'hippopotame est devenu jusqu'à sa réapparition dans Mind en 1951. L'histoire ne mentionne pas la présence, même la présence invisible, de l'hippopotame dans les rooms du professeur Broad 20 ans plus tard. Quant au rhinocéros, il était venu voir si le problème de son existence allait être enfin réglé. Et voilà qu'à un moment, au milieu d'un échange particulièrement vif avec le futur Lord Popper, Ludwig Wittgenstein, exaspéré, saisit le tisonnier. Le tisonnier qui figure dans tous les récits de cette fameuse rencontre. Regardons-le en utilisant cette faculté si précieuse qu'est la forme de la mémoire qu'on nomme imagination ou fancy. Nous suivons Giambattista Vico sur ce point. Il est là devant nos yeux intérieurs, un vrai tisonnier anglais, solide, imperturbable, un poker, impassible. L'impassibilité des tisonniers est proverbiale. C'est pourquoi les Anglais emploient l'expression « poker-faced », ce qui veut tout bonnement dire « au visage impassible comme un tisonnier ». C'est un tisonnier de l'espèce de ceux qui sont le plus tisonniers. L'espèce, Sortle, des tisonniers des appartements, rooms, the fellows, the colleges, the Cambridge. Disposons-le devant l'âtre, ou flambe, ou ne flambe pas par ailleurs, selon la douce ou non-douceur du temps, weather, un bon feu ou un bon non-feu, de belles bûches de être ou non-être, biche en anglais, mnémotechniquement, to be, être. À cet instant, les récits diverge. Qui veut montrer Wittgenstein en s'emparant du tisonnier? S'agit-il pour lui de prouver ou de déprouver ou d'éprouver sur Popper la solidité de son existence ou inexistence? Le sourire du rhinocéros s'épanouit dans l'ombre. Un sourire de rhinocéros, c'est rare. C'est pas clair. Nous ne chercherons pas à élucider ce point, car ce qui nous intéresse ici désormais, c'est le tisonnier. Et à propos du tisonnier, nous poserons ici deux questions. Sommes-nous le présent de la narration ici désigne le jour de la rencontre où se passe la scène rapportée. Sommes-nous un lundi ou un mardi? Telle est la première question. Et la seconde est, par quel bout Ludwig Wittgenstein saisit-il le tisonnier? Tous les témoins de cette scène, qui nous l'ont rapporté omettent d'y répondre. C'est dommage, car les réponses à ces deux questions permettraient sans aucun doute d'éclairer le sens de l'action spectaculaire et inopinée de Wittgenstein. Nous devrons donc, à notre grand regret, nous-mêmes n'y point répondre. Nous pourrions, mais nous rapportons et nous n'inventons pas. Nous ne sommes pas historiens. Lecture complémentaire recommandée à ce propos par ailleurs de La décadence dans l'art de mentir, conférence de Mark Twain devant la Société d'histoire de Connecticut, qui commence en ces termes « Ce n'est pas à vous, vieux routier de cet art, que je devrais m'adresser pour parler du mensonge. » Le tisonnier avait appartenu à John MacTaggart Ellis MacTaggart. Vie semi-moyenne de John MacTaggart Ellis MacTaggart, d'après le Dictionary of National Biography, complété de données fournies par Peter Gitch en personne. 1866-1925, philosophe né à Londres, Northfold Square, le 3 septembre 1866, deuxième fils de Francis Ellis MacTaggart, country court judge, et de Caroline Ellis.
très précoce, raisonneur, ont dû le retirer dès sa première école parce que, au cours d'une conversation avec les autres écoliers, il avait mis en doute l'existence de Dieu et a entrepris de réfuter point par point les articles de foi fondateurs par l'Église anglicane. Il était généralement considéré comme fou par ses condisciples. Le désordre de sa tenue vestimentaire, une distraction extrême, une incompétence virtuellement absolue dans les matchs de rugby, ainsi qu'un intérêt marqué pour la philosophie, sont des raisons plus que suffisantes pour porter un tel jugement. Mais il ne semble pas avoir été malheureux. Il était bien trop occupé avec Kant. Pensionnaire à Clifton College en 1882, il était de ces garçons qui ne sont pas à leur place dans un tel contexte. Il était trop honnête pour dissimuler son intérêt pour la philosophie. Son absence d'intérêt pour le sport, son intention de se consacrer à l'une et pas à l'autre. Ses professeurs comme ses camarades de classe trouvèrent ses choix regrettables. Là, il souffrit beaucoup. Pendant tout le reste de son existence, il n'avançait jamais dans un corridor sans adopter une démarche bizarre, de côté, traînante, comme s'il s'attendait à tout moment à être surpris et attaqué par derrière par un gamin sadique. Il y eut ensuite Trinity College, Cambridge. À Cambridge, il étudie les sciences morales et obtient la première classe. En 1891, il fut élu Fellow de Trinity. Sa vie subséquente fut extrêmement heureuse. Il était tout à fait à son aise dans son collège. Il y dînait tous les jours. Entré à Cambridge, jeune homme, mince, dégingandé. Il devient plutôt très gras et on pouvait le croiser dans les rues sur son tricycle, pédalant furieusement. Il n'arrivait pas d'ailleurs à garder son équilibre à bicyclette. N'oublions pas ici que Trinity College n'est pas à confondre avec King's College. Dans un paper présenté en 1903 devant le fameux club secret de discussion nommé les Apostles, qui fut bien utile à Philby dans les années 30, un certain Shepard tentait de répondre à la question « Y a-t-il une différence d'essence entre deux espèces d'individus, les Kingsmen et les Trinitymen ?» On y lit ceci. Qu'il soit bien entendu que King's et Trinity, les collèges, ne sont ici que des étiquettes, pas entièrement inappropriées dans l'ensemble, puisqu'il existe une tendance chez les Trinity's Men à se trouver à Trinity, le collège, et chez les King's Men à fréquenter King's. Mais il est vrai aussi qu'il y a des King's Men à Trinity et des Trinity Men à King's. Strachey est un Trinitarian. Keynes est, à ce qu'on m'a dit, un King's Man. Quant à MacTaggart, je le soupçonne de certaines tendances kingiennes. Il aime les mauvais romans et c'est un être, on ne peut plus, moral. Ses travaux ont été consacrés à l'exposé et à la défense de la philosophie hegelienne. En 1901, dans son étude de cosmologie hegelienne, il s'efforce de déterminer par des méthodes hegeliennes, mais d'une manière plus précise que Hegel lui-même ne l'avait fait, la nature et la structure de l'absolu. Ouvrage dont la rédaction semble, si j'en juge parce que j'en ai lu, avoir été favorisé par d'abondantes absorptions de vodka de la marque Absolute. En 1910, son commentaire sur la logique de Hegel tente de présenter, en un anglais intelligible, le contenu caractéristique de chaque catégorie au sens hegelien. MacTaggart était athée et en même temps un croyant convaincu en l'immortalité de l'homme. Il était persuadé, s'appuyant sur les hypothèses mises en avant dans sa thèse de 1901 et plus vastement dans son magnum opus The Nature of Existence, que l'absolu est constitué d'une société parfaite d'esprit parfait dont chacun aime un ou plusieurs des autres. Il pensait également que chacun de ces esprits est éternel et que chaque esprit humain, qui est un esprit, pas un fantôme, un mind, pas un spirit, est dans sa nature véritable une de ces entités éternelles. Il estimait tout à fait probable que l'existence éternelle et hors du temps, timeless, de ces esprits ne se présentait sous la forme illusoire et partielle que constitue le temps qu'en une succession d'apparences provisoires et de durées strictement finies. The Nature of Existence, en deux volumes, 1923 le premier et le second posthume en 1927, expose un système philosophique déductif complet et d'une subtilité extrême. Le tournant décisif dans l'argumentation est celui où est affirmée la divisibilité indéfinie de la substance, ce que MacTaggart nommait « principe de correspondance déterminante ». L'ouvrage est remarquable par les efforts acharnés de l'auteur pour se débarrasser de manière satisfaisante de toutes les erreurs et illusions qui nous affectent, et spécialement de l'illusion du temps et celle du changement, pour reconnaître notre appartenance à un monde d'esprit éternel en relation parfaite les uns avec les autres. Il épouse en 1909 Margaret Elizabeth, fille de Joseph Byrd, civil servant de Taranaki, Nouvelle-Zélande, et il n'a pas d'enfant. C'était un homme d'esprit, mais un esprit pratique également et très habile en affaires. Le tisonnier. Puisqu'il va jouer un certain rôle dans cette histoire, énonçons tout de suite les deux caractéristiques essentielles du tisonnier que possédait MacTaggart.
Petit 1, il était toujours brûlant à un bout. Petit 2, à l'autre bout, il était brûlant le lundi et froid le mardi. On ignore dans quel état il se trouvait les autres jours par ailleurs. On voit dans l'affaire de la dispute Wittgenstein-Popper combien il importerait de savoir quel jour la rencontre a eu lieu et par quel bout Wittgenstein s'empara du tisonnier. Il y a plusieurs versions concurrentes du conte, mais ce n'est pas ce dont nous avons à nous préoccuper ici. Nous nous intéressons maintenant uniquement au célèbre argument de MacTaggart, qualifié aussi de sophisme ou paradoxe, selon les préférences théoriques des commentateurs. Il existe deux versions de l'argument. La première, la version courte, date de 1908. La version longue, pièce décisive. Dans la stratégie MacTaggartienne, figure dans le premier volume non posthume, Anthume, donc de The Nature of Existence, et c'est elle que généralement nous suivrons. Comme le tisonnier, lui, n'apparaît pas dans la première version, une simple attention aux dates de la biographie nous permet de conjecturer que selon toute vraisemblance, il fut amené dans le foyer MacTaggart par son épouse Margaret Elizabeth, et non moins vraisemblablement qu'il était d'origine néo-zélandaise, et pour tout dire maori, ce qui pourrait expliquer quelques-unes de ses caractéristiques peu communes, il faut bien l'avouer. L'argument de MacTaggart. Je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est très long l'argument de MacTaggart, il fait quand même 10 pages. On commence juste un peu. C'est pour vous donner envie de lire la suite. Je commencerai mon enquête par la question « Une chose qui existe, peut-elle avoir la propriété d'être dans le temps ?» Je vais essayer de montrer que c'est impossible. Il peut sembler hautement paradoxal d'affirmer que le temps est irréel et que tous les énoncés qui supposent son existence sont erronés. Une telle assertion s'éloigne de la position naturelle, celle du sens commun, et ce, beaucoup plus que dans le cas où l'on affirme l'irréalité de l'espace ou de la matière. Une partie de l'expérience de chaque homme, celle de ses états intérieurs accessibles par introspection, lui semble d'être ni spatiale ni matérielle. Mais aucune de nos expériences n'échappe au sentiment du temps, et nos jugements sur le temps semblent eux-mêmes contenus en lui. Pourtant, à toute époque et en tout lieu du monde, la croyance en l'irréalité du temps s'est montrée extraordinairement persistante. Dans la philosophie et les religions de l'Ouest, et la plus encore, il me semble, dans la philosophie et les religions de l'Est, nous voyons cette doctrine renaître sans cesse. Ni la philosophie ni les religions n'échappent totalement aux tendances mystiques. Presque toutes les mystiques de toutes les époques nient la réalité du temps. En philosophie, le temps est traité comme irréel par Spinoza, Kant et par Hegel entre autres. Une telle convergence est très significative, et ce d'autant plus que cette thèse prend des formes très différentes et est défendue par des arguments très divers. Je pense que rien de ce qui existe ne peut être qualifié temporellement et que par conséquent, le temps est irréel. Mais je défendrai cette croyance par des arguments qui n'ont été mis en avant par aucun des philosophes que je viens de citer. Les positions dans le temps à première vue peuvent être distinguées de deux manières. Chaque position est antérieure à certaines et postérieure à d'autres. Elle constitue une séquence, une série. La constitution d'une série nécessite une relation transitive et asymétrique et une collection de termes tels que pour deux quelconques d'entre eux, ou bien le premier est en relation avec le second, ou bien le second est en relation avec le premier. On peut constituer la série en prenant la relation antérieure à ou la relation postérieure à. Ces deux relations sont bien entendu transitives et asymétriques. Si nous choisissons la première, les termes sont tels que pour deux quelconques d'entre eux, ou bien le premier est antérieur au second, ou bien le second est antérieur au premier. On en déduit une relation d'ordre, si on ajoute la propriété pour un événement d'être à la fois antérieur à et postérieur à lui-même, la propriété d'auto-simultanéité. Nous laissons ici pour un moment de côté la question d'événements distincts et simultanés. En second lieu, chaque position dans le temps est passée, présente ou future. Allez, après, vous avez 10 petites pages qui empruntent pour certains aspects à Sextus Empiricus. Mais ça n'est pas le sujet du soir puisque ça n'est pas une soirée philo. Alors, c'est pas mal ça, non? Bon, ça vous fait peut-être un peu fuir, j'imagine. À cette heure-ci, c'est peut-être pas tout à fait les lectures qui vous emportent. Non, moi, je trouve ça pas mal. Donc, on va se finir par peut-être un poème. Alors, Jean-Luc Parent ou Maurice? Oui, surprenant hein, et fascinant. Jean-Luc Parent ou Ormery? Parent, je vous en ai déjà lu un petit peu. Et Ormery, je vous en ai pas lu. Bon, peut-être Ormery, allons vers l'inconnu. Il y a peu de chances que vous connaissiez ça. Écrivain très contemporain que vous rencontrez parfois sous d'autres pseudonymes dans notre entourage.
puisqu'il fait aussi un travail vidéo qui est copieusement présent sur la chaîne, non pas bande dessinée, mais Le Terrier. Et également travail d'écriture, long travail plastique, et collaborateur de, comment, du squat des dégénérés. Je vous laisse deviner. On y va. On va se finir sur de Hors-Meurie. Pourquoi les chiens sont plus petits qui veulent frénétiquement saillir les plus hauts? Le café est distribué dans une tasse douce sur le bord de chacune des lèvres, bute amoureusement le bon lait de brebis bien logique se sort du troupeau. Établissez vous-même vos barborigmes, mais j'ai pas quatre cœurs. Ici, les chaises ont beaucoup plus de pieds que dans la commerce, qui chez vous équipe transmet la parole d'os, qu'on parle du nez parce qu'on se l'a pincé. Tu peux congeler. Le dollar n'est pas vraiment notre métier, mais éponge mieux le vin que les chips. Prenez cet argan que nous ne tenons pas à savoir qu'en faire, et les pétales de rose se transformeront en croûtons le soir de la générale. Pourquoi pas faire les chiens se sauter à la gorge dès qu'on se croise? La mère n'aime pas qu'on marche dans son dos vers le crâne des jardins publics. J'aide à nourrir les gens qui marchent. Je me souviens du jour où on a trouvé le chiot. Je me souviens du jour où la neige a perdu le chien. Elle effrite l'eau en la roulant dans ses mains. Notre monde, que l'argan soit sacrifié. Sidi est là aussi, ne s'étonne dans rien qu'il fait, ni des gentilés occupés à photocopier leurs croûtes pour les assurances. Il fait acte de province, fasciné par l'évolution d'une cuillère dans l'évier. Va-t-il me dévoiler ses sentiments proserbes qu'à la façon de trier les graines d'Écosse, et me confier le cheveu sur la joue qu'elle effet, ça lui fait le cheveu lisse la bulle? Comme moi, il n'apprécie pas que le noyau se scinde en deux et reste incrusté comme une vieille plaie dans la pêche coupée, c'est la chiette. Pardon. Je n'ai rien à te mettre sous la dent que mes seins sur les os, qui roulent au premier tombé de prière. Je n'ai même pas la gale pour me gratter, n'ai que ma jambresse. Il verrait bien un déshabillé en apnée dans l'escalier et croit me pâmer en m'invitant au dancing poisse. Je roumègue d'amour, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fromages. Le pire, c'est mâcher l'amande molle. Les gentilés croient que les éjacs sont faites à la seringue. L'argan ne rassasie pas dans le salon d'hiver, il y a pourtant là tous les traversins pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre. La grand-mère dit « peté » au lieu de « pété ». « T'as pété, non j'ai pas peté, t'as pété, non j'ai pas peté ». Alors j'ai dit « t'as peté, t'as peté, t'as peté » pour être laide. Cuisine et Iban ne font pas bon ménage, le digestif ne sera pas nécessaire. Tu les préfères comme les garçons, caoutchouc blond. Il faut quand même que je trouve un morceau de vache. Mère, grand, me couche-toi là, l'anus rendu sympa par coca-chocolat. Je suis pas qu'une fille à la dure, à déglacer des salés en amande mentale, affliction en mélasse mémé du lavabo en coin, qui offre aux couronnes la matière des dents. Si t'as faim, mange ta main. Mais, merci mais, je mange des plats, qui sont que meilleurs et que le lendemain. Le grand-père n'est jamais très loin, à 3-4 chansons pop ou que nos maisons dans un quartier au bas d'un bombé de ciel vide, à l'ouest amniotique, il n'est pas là pareil, le soleil, pylône de l'idiome béton, j'y longe sa clôture depuis le tout début. J'aime, nous commençons à nous parler, avant que nous nous apercevons, il est au fond, nous, chez nous, cannes ou arbres, courbés sur son jardin, les épaules de sa mémé, chemise peuplée de petites bêtes cossues qui tombent des abribus. À partir de l'angle d'où nous nous adressons un petit salut, il cherche une plante du commerce que ma grand-mère de son côté a plantée dans l'idée que je viens de l'aider. Les pieds nus fauchant la piste des herbes hautes, elle donne des fleurs blanches, il ne la trouve plus. Son oubli de boire répété le faisait chanter sur le bas-côté d'une sole, ne restait plus que des ampoules et la comptine, atone aux sourdes pulsations promesses de mon bercer en m'endormant. Nous suçons des glaçons au goûter. Je crois à m'arracher les poils de la langue. Il faut le temps qu'on se tombe les vieilles branches, une épine m'est retirée de l'index et j'en perds tous les noms. La terre ne se rappelle rien sous mes pas, sauf celui de Jinko Biloba. D'un ordre plus facile, les femelles ne dévoilent vraiment leur ovule suspendu à l'odeur pestilentielle qu'après 40 ans. À peu près, le temps que le sang se périme. Pour le quitter toujours triste, à l'heure du ratus, de l'alcoolémie, on l'a eu le type. Faut re-rentrer souper. À force de rouler sur les cailloux, j'ai la robe toute cermonée au nez.
Une miette de petite madeleine tombe en aval de la bouche de Pépé avec la bande des eaux de la lande cirée tout au bord d'une gourde de son café au lait qui a un goût de peu poulet. La mienne pompe lentement la goutte dans le ramollissement des fibres et apparaît un petit motif de la lande cirée, le souvenir viral. L'obèse, pendant plusieurs jours, et pendant ce temps nous n'avons pas parlé, le gain de mémoire était évident. Il revient tout écorché de son père dans les taillis de son enfance ramasser les champignons pour ramper déjà sans être vu des promeneurs du dimanche. La colère naît quand je danse. Pépé à la rencontre de ses mains en perdition après grand écartement pour le lent. La terre ne se reconnaît pas sous ses pieds. Je serai aussi noyé qu'un jour d'été. Vous pouvez ajouter quelques mots, ajoutez-moi. Quand je perçois difficile de respirer, j'ai dit, je prends l'air. Une fois dedans, j'étouffe. Pas une gueule à séquestrer du CO2, c'est là où exister, où on se retourne à la vie, à la bière, d'autres s'échangent avec vous. Retape le ciel jusqu'au très bas, on rouvre les yeux. L'océan à bout de bras, on a mal au pneumothorax, hein Pépé, tu t'en fous toi. Il est retourné pieds nus, lui qui a marché 3 jours de travers, depuis que les militaires lui avaient enfilé des bottes, de force. 3 jours, dont il parlera toutes les 2 nuits, en dénouant ses manches, relâche discrètement les gravats de son trou dans le sable de la promenade avant de revenir, creuser sa chambre d'où il mourra la petite cuillère. Il n'y a pas de saison pour la poussière. Mon emploi après laver les morts, c'est amuser auprès des enfants avant de manger. Les parents tournent lentement autour du fast-food à la manière des Indiens dans le western. Mais c'est eux qui sont encerclés et décimés en Indiens, croulant à mort lente sous les miroirs et colifichés, parqués en rond dans le voie des flèches, peints sur le sol sans rien sentir de la nourriture de leurs enfants que j'occupe à dessiner une fleur sur une table dans l'établissement fast-food sous la surveillance du directeur des frites où les manches propres ne trempent dans rien à la pause déjeuner avec juste le temps de faire une fleur par enfant dont certains que la tige indécis sur les couleurs des pétales et boudant le menu adapté aux engagements saveur, nutrition des enfants qui recommandent l'ami du chi géant pour éponger le saignement des gencives. Oui, je dispose de portions de tissu propre pour essuyer les bouches où la peinture des fleurs n'a rien à y faire sous le regard des parents se nourrissant par les doigts parce qu'ils laissent reposer leur croc au bureau pour prendre sur le ventre mou des sachets de ketchup qui leur rappellent vaguement une petite grenouille morte trouvée enfant dans le sillage des parents. À l'aplomb de fleurs malhabiles en saccade très raide, entre 2 points de feutrée écrasés qu'il faut le savoir, c'est une fleur sortie des mains énervées des enfants hyperactifs. Attendre le repas à ne plus tenir sur leur petite chaise pastel, mais de couleur indéterminée après des heures et des heures et des heures d'hygiène, sans oser le réclamer d'un défaut de langue prononcé. Oui, le directeur des oignons me confiera des années inoubliables. Dans l'espace famille où les parents dessinent vaguement une fleur du doigt dans le ketchup qui échoue sur le plateau pendant qu'ils avalent, ce qu'on ne parle pas de repas à la vitesse d'une mouche nous contemplant si lourd, occupé à ramener les steaks qui a glissé entre les 2 tranches de pain dont les analyses sont réalisées chaque semaine par le groupe. Oui, on m'a fait comprendre que je pourrais bientôt devenir directrice adjointe au beignet de poulet dont raffolent vos parents fatigués, qu'ils aimeraient bien se coucher, mais alors on est comme la petite grenouille morte, ventre en l'air. C'est pourquoi vos enfants dessinent des fantômes mastiquer le steak et le pain mou de vos parents avant de réintégrer leur gras à 14h, leurs enfants à la main venus, la prochaine activité dans le moratoire languissant de la régurgitation des adultes. On se dit à ce soir d'un non-cabinalisme poli, le plus souvent Dieu possible. Il ne faut pas être seul avec de l'argan, parce qu'en plus on a peur des autres. Il est non loin le chemin où j'allais venir, le long de mes copines, les gars sur la petite robe bordée de chamblé. C'est à cet endroit le jour du morceau d'os dans le fossé, elles n'en veulent point, mais moi, je l'emporte sans les regarder, car c'est jugulaire, jugulaire, niveau horaire, au milieu des champs, la piscine géante, cachée des militaires en entraînement, on connaît l'adresse du camp. Je croyais entendre parler des gentilés au loin, mais c'était tourterelle. J'ai couru pour les rattraper, en témoignent mes genoux incrustés de gravier. De loin, on ne doute pas des grillages des champs de maïs secrets derrière les blés. On ne doute pas des parcelles des lots et les limites du camp on entraîne nôtre. On ne doute pas qu'il y a des bases anciennes modernes en chantier où mes copines se présentent épiler la frange bien mise pour une chance d'intégrer leur corps de rêve à un corps d'élite sous le drapeau. Il y a les soldats noirs qui émarrèrent de leur gloussement, des sens aiguisés, autorisation de pénétrer mesdemoiselles et dans le bassin de s'y précipiter, mes copines tiennent à répondre culturel et bien. Nous sommes filles qu'avec une arme romantique, et si vous avez envie de faire la morale avec nous, c'est ok, on n'est pas nous bas, une contradiction près. Eh bien, ce soldat voyait très bien que je dissimulais un os sous ma robe indécente en lumière rasante, et pourtant, il ne me fouilla pas, et me renvoya d'une caresse limpide de nation asthmatique, la bouche offre son adolescente sans application l'entrée dans sa chorégraphie de beau diable dans un brouillard pour décapotable. Le temps pur et l'os de l'action qui est en chair, il faudra que j'en touche un coin à l'oncle. Feuille des apocinés, croix à l'état sauvage dans la région méditerranée, au final des vallées, fleurs, sacs de blonde disposés en symbole, très cultivés, comme géante ornementale, aussitôt accusée d'être en été.
Voilà. C'était ça. Ormerie l'os dans le nez. Choper ça, taper son petit nom dans Google. Peut-être vous trouverez un moyen de commander Ormerie l'os dans le nez. J'en sais rien. Peut-être. À mon avis, oui. Je crois pas que le stock soit écoulé. Et moi, ça fait 3h25 que je vous lis des bouquins. Donc, c'est normal que j'ai un peu mal à la gorge. Voilà. C'est normal que je commence à grincer comme une vieille porte. Ça veut dire qu'il est probablement plus que temps maintenant que je vous dise bonne nuit. Alors, y a-t-il moyen de raider quelque part? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Y a qui est là? Y a Yuka Inno? Oui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas Yuk? Wish Me Forever, ça on a déjà été. Des gens qui jouent, voilà. Des gens que je connais pas, pourquoi ça m'est recommandé? J'en sais rien. Eh bien, comme j'en sais rien, on va y aller chez Yuk. Ça vous a plu? Ça t'a plu, Suze? Eh ben tant mieux. Raidons chez Yuk et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se refera de temps en temps des petites lectures de texte, hein, si vous voulez. Je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine, ça va être dimanche, parce que j'ai plein de trucs à faire cette semaine. Donc, ça va être compliqué de refaire des lives là. Dites bonjour à Yuk pour moi, parce que je ne vais pas vous accompagner ce soir. Je suis un peu fatigué. Donc, à très vite, à très bientôt. Vous avez découvert Tuny Ormerie, ben, j'en suis ravi si ça vous a intéressé. Et je vous dis, moi, probablement un dimanche.